Chouania. Oh bye, maman. Mais où étais-tu depuis tout ce temps? J'étais pourtant là, frérot, j'étais là. T'es là où? Je ne te vois plus depuis dans ce village. Et tu dis que tu étais ici? Ce sont les études, mon frère. Étudier le droit en ville est vraiment stressant. Mais Dieu merci, maintenant je suis diplômé. Oui, pardon? Je suis diplômé. Je me prépare maintenant pour ma dernière année de droit. Hé hey! Chiroya! Mon frère! Tu es diplômé? Diplômé Dieu en merci. Droit? Dieu merci. Je m'en ai qui copie souvent chez moi. Mec, c'était à l'époque, gars, ne parle plus de ça. Hey! On aura tout vu dans ce monde. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Mon frère, tu le vois toi-même, non? Je suis là, je ne bouge pas. Non, mon frère. Cherche à faire quelque chose. Je suis content Bien pour sûr, toi, mon frère. Ça fait trop longtemps. Je suis vraiment content pour toi. Ah, ce n'est pas facile, oh. Ah, non, c'est pas facile. J'ai 6 ans, plus une autre année. 7 ans. Oui, je... Chiwanya. Mon frère, ce n'est pas facile d'être un homme. Bien sûr que ce n'est pas un petit boulot. Après ça, je vais ouvrir mon cabinet pour exercer mon métier. Dans cette vie, Chiwanya. Oh, okay. Mec. C'est bien. Je dois partir. Sérieux. Bonne continuation. Je te souhaite d'avoir du courage. Ok. D'accord? Mais, merci mon frère. Oba Coco. Et c'est Zona. Tibolebo. Hein? Quel propriétaire de cette belle voiture? C'est ma voiture. En fait, c'est l'une de mes voitures. Ah, la maison que tu vois par là-bas, c'est mon chantier. Je suis juste venu inspecter. Attends. C'est toi qui construis cette maison? Bien sûr. J'ai une autre vers, Onicha. C'est pas vrai. C'est toi qui construis ce château? J'ai un entrepôt. Qui se trouve à Onicha. Hey! Tu as même un entrepôt? C'est pour toi-même? Bien sûr. Mon frère, je suis un homme riche. Ah! T'es sérieux là? Évidemment. Je ne cesserai jamais d'être étonné. Comme tu le sais, ma famille était pauvre. Mon père a décidé de m'envoyer à Onicha comme un apprenti pour apprendre un métier, donc. Et j'ai bien servi mon patron. Et après 7 ans, il m'a récompensé. Et comme Dieu fait des choses, il m'a béni avec l'opportunité de toute une vie. Et je fais maintenant de l'import et de l'export. Tu importes et tu exportes? Sérieux? Tu as même un entrepôt? Hey! Je retourne à Onicha. Oh, tu rentres à Onicha? C'est là-bas qu'il y a mes entreprises. Et tu es Zona? Miaka. Hey! Jésus. J'espère que tu ne suces plus ton pouce, hein? Je suce l'argent, mon frère. Je lèche l'argent. Je mange l'argent. Tu suces l'argent? Mon frère, je dois te laisser. On m'attend déjà. Oui. Bon voyage. Eh oui. Ça me dépasse. En plus, il ne suce plus son pouce. Maintenant, il suce de l'argent. Hey! Et tu es Zona, Miaka. Il construit ce beau château que je vois. Il a même un entrepôt. Eh oui! Pourquoi je croise tous ces gens aujourd'hui? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Regardez, tu es Zona. Non.
Tu es rentré. Comment c'était? Obina. Obina, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu troublée? Maman. Pourquoi papa et toi m'avez amené dans ce monde pour souffrir? Pourquoi? Hey! D'où sors-tu avec tout ça? Hein? Ça vient du fait que je viens de voir Chiwanya en rentrant tout à l'heure. Chiwanya est diplômé. Il est diplômé en droit. Et bientôt, il ira faire un stage dans un cabinet. Et bientôt, il sera un avocat au barreau. Chiwanya que je dépassais à l'école. Chiwanya! Chiwanya qui ne pouvait me dépasser en aucune matière, que ce soit le droit ou la littérature. Chiwanya va bientôt devenir un avocat et moi je suis encore dans ce village. Ou encore Chiozona. Et Chiozona va bientôt finir son duplex. Tu connais Chiozona, le fils de Ntobi, qui n'a même pas pu finir le primaire. La simple école primaire, il n'a pas pu finir. Mais maintenant, il est devenu riche. Il a des entreprises à Onitsha. Et moi je suis encore dans ce village. Tous mes égos réussissent dans la vie et moi je suis ici à ne rien faire. Toute ma vie, j'ai vendu du bois à différentes personnes. Un métier, je n'ai pas appris. L'école, je n'ai pas fait. Et tu veux que je sois content? Mon fils, tous les doigts ne sont pas égaux. Maman, maman, laisse cette chanson. Arrête de dire tout ça. Cesse de me donner le plein de raisons. Pourquoi tu décides d'aller chez le petit doigt? Pourquoi n'as-tu pas pris le gros doigt? C'est quoi ce « tous les doigts ne sont pas égaux » Maman, ça ne veut rien dire, absolument rien. Comme vous saviez que vous ne m'enverrez pas à l'école, pourquoi ne m'avez-vous pas envoyé être apprenti? Au moins, maintenant, on m'aurait libéré. L'école, je ne suis pas allé. Un métier, je n'ai pas appris. Rien, je suis dans ce village à moisir. Et tu me dis que tous les doigts ne sont pas pareils. Maman, je ne suis pas content. Tu sais, Gojuku, ça sort bien à l'étranger. Rien, tous mes camarades s'en sortent bien. Les gens que j'ai dépassés à l'école. Mon fils, c'est à cause de la mort de ton père. Pas moi. Si ton père était encore vivant, tu serais allé à l'université, c'est ce qu'il voulait. Avant qu'il ne meure. Maman, s'il te plaît, laisse-moi. Tu ne cesses de me dire que je suis le seul, que je suis ton seul fils, que tu ne veux pas que je parte. Tu veux que je reste avec toi? Est-ce que je dois mourir dans ce village? Vais-je mourir dans ce village? Alors tu es content de ma situation? Maman. Je ne trouve pas ça drôle, hein. Voleur. Qui traites-tu de voleur? Toi, n'es-tu pas un voleur? Qu'est-ce que tu fais là, hein? Si ce n'est voler le nom de Coco, qu'est-ce que tu fais là? Voleur. Tu n'as pas de cervelle, n'est-ce pas? Tu es folle? Et le voleur? Tu as commencé, n'est-ce pas? Voleur! Là où le voleur? Papa, le voici. Que quoi-tu faire là? Hein? Non, que quoi-tu faire là? Je veux cueillir les noix de coco que je vais amener au marché pour vendre. Tu veux cueillir les noix de coco de qui? Ah, les noix de coco de mon grand-père, bien sûr. Mais c'est pas vrai. Les noix de coco de ton grand-père. Regarde-toi. Ne vous ai-je pas prévenu, ta mère et toi, de ne pas s'approcher de ce cocotier? Pourquoi ne devrais-je pas s'approcher du cocotier de mon grand-père? C'est ta part? Quoi? Attends, Obina, as-tu planté un cocotier ici? Toi, as-tu planté un cocotier ici? Oh, attends, tu oses me défier? Je ne te défie pas, pourquoi? Tu oses me défier? Tu as planté un cocotier ici? Ne cueille pas ces noix de coco. Tu as commencé? Tu as commencé? Tu aimes trop le problème. Tu ne veux pas le problème. Tu ne veux pas de problème maintenant. Prends juste ta fille et partez chez vous. Attends. S'il te plaît. Arrête ça! Mais c'est que c'est connerie. Je t'avertis, oh! Tu n'as pas le droit de cueillir ces noix. Je t'avertis. Tu menaces mon père? Hein? Lâche ça! Tu menaces mon père? Tu es malade? Je vais te battre. Tu veux battre qui? Tu veux battre, hein? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Maman, problème. Tu vois ce sang? C'est quoi ton problème?
Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il ici? Maman, je veux qu'il ait notre coco pour aller vendre au marché demain. Il vient me dire que je ne dois pas qu'il ait notre coco. Pourquoi? Je sens de notre coco? C'est pour toi. Je sens de notre coco? C'est pour toi. Hé, hey, s'il te plaît, Pico. S'il te plaît. Maman, reste là. Attends, mais s'il te plaît, Pico. Obina. Maman, laisse-moi. Pardon, Pico. Obina, laisse tomber. Je t'en supplie, s'il te plaît. Maman, laisse-moi. S'il te plaît. Allons-y, partons. Obina, écoute ta mère. S'il te plaît, laisse tomber. Mon fils Obina, je t'en supplie, écoute-moi. Maman, laisse-moi tranquille, laisse-les avec ses noix. Partons, laisse-les avec ses noix. Je t'en supplie. Écoute-moi, je t'en supplie, mon fils. Je t'en supplie, partons. Laisse-les avec ses noix. Partons, je t'en supplie. On y va, s'il te plaît. Maman, je n'aime pas ça. Je sais. Je sais, c'est bon. Partons. Laisse-moi tranquille. C'est à cause de toi, ça. Je sais, mon fils. Allons-y, c'est bon. Où est cet idiot? Essaie de revenir. Maman, je n'aime pas ça. Pourquoi tu es sorti? Non, pourquoi tu es sorti? Je voulais voir ce qu'il allait faire. Pourquoi tu es sorti? Obina, laisse-les tranquilles. Laissez qui? Laisse-les tranquilles. Je sais pourquoi je t'ai dit ça. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai peur? Cet homme a pratiquement pris tout ce qui appartient à mon feu père. Non mais c'est quoi son problème? Il exagère déjà dans cette famille. Est-ce que c'est parce qu'on ne dit rien? Ce ne sont pas les noix de coco. Laisse-le rester avec. Même le terrain que ton père avait. Laisse-le tout arracher. Écoute, ta vie est plus importante pour moi que toutes ces choses. Maman, laisse-moi ça. Laissez quoi à qui? Mais à qui? N'est-ce pas mon héritage? Arrête de me dire de laisser mon héritage juste parce que tu as peur. Maman, c'est quoi? Il va monter la vie? C'est de dire ça, pardon. Ah, qu'est-ce que je fais de mal? Juste parce que je veux qu'il ait les noix de coco que je vais manger. Les noix de coco de mon grand-père. Obina. Mais pourquoi? Obina. Quand un enfant grandit et ne se soucie pas de demander ce qui a tué son père, la même chose qui a tué son père le tuera aussi. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Laisse-le tout prendre. Le cocotier, oui, le terrain, laisse-le avec ça. Dieu, au ciel, voit tout ça. Et il est le seul vrai juge. Hein? Maman, qu'est-ce que ça a à voir avec la mort de mon défunt père? Obina, il n'y a qu'un fou qu'on dit une énigme et on lui explique. Le sage cherche et trouve la signification de l'énigme. Thank you.
Papa? 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 Ma fille, comment tu vas? Papa, voir ton visage ainsi? Ne me dis pas que tu penses à ce stupide Obinna. Qui? Obinna? Pourquoi? Obinna n'est qu'un petit gamin. Écoute, j'ai des choses bien plus importantes à faire de mon temps. Que je pense? Je n'ai rien à foutre de lui. Ah, j'ai pas de temps pour lui. J'ai pas de temps pour Obinna. Alors, dis-moi. J'espère vraiment. Papa, le repas est prêt. Viens à l'intérieur manger. Le repas? D'accord, d'accord. J'arrive, d'accord. J'arrive. J'espère que c'est ce truc que, j'aime. Papa, là. Tu aimes tous mes repas. Tu les aimes tous. Alors ne dis rien. Viens manger. Ah, ma brave fille. Papa, viens manger. D'accord, j'arrive, ok? Je voulais dire ma mère par cette énigme. Est-ce que ça veut dire que tonton Akubu est responsable de la mort de mon père? Non, mon père n'est pas mort empoisonné. Il était malade. Il est mort après une courte maladie. Quelle peut être la signification de cette énigme? Quel rapport y a-t-il entre mon oncle et la mort de mon père? Non, c'est un truc grave. Je dois vraiment me prendre ça au sérieux. Je dois découvrir ce que ma mère voulait dire par « Quand un enfant grandit, il ne demande pas ce qui a tué son père, ce qui a tué son père le tueur aussi. » Maman. Mon fils. Je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que c'est? Et s'il te plaît, je veux que tu sois très, très véridique avec moi. Je t'écoute. Énigme. Que tu m'as dite hier. Essayes-tu de me dire que tonton Akubwe a tué mon père? Mon fils, personne n'a jamais vu un couple marié faire l'amour. Même leurs enfants qui vivent dans la même maison. Mais après 9 mois, quand la femme est sur le point d'accoucher, on constate tous qu'ils ont souvent des rapports sexuels. Maman, maman, s'il te plaît, ce que je te demande est très important pour moi. Mais en quoi ça me regarde les maris et les femmes qui font l'amour? Réponds-moi. Essaies-tu de me dire qu'oncle Akubwe a tué mon père? Je croyais avoir accouché un fils sage. Donc, à toi de tirer tes conclusions. Attends, attends. Attends. Est-ce possible qu'il ait tué mon père juste pour l'écarter du chemin? Et personne n'a aucune preuve de telles allégations? Ce matin-là... Hey. Oh, Naï? Non. Ah, ah, tu es déjà habillée. Est-ce que j'attends quelqu'un? Naï, j'espérais aller avec toi pour que je m'arrête en allant à Ogwa. Je suis en train d'aller au marché d'Ogwa. Ah, ah, Naï, ceci ne te va pas? Ça va, pas de problème. Merci, chérie. Laisse-moi aller chercher mon sac. Tu sais, leur grand patron va venir aujourd'hui. Et je ne veux pas...
Je ne veux pas que cette tombe m'entende encore. Ne t'en fais pas, Naï. Je ne vais pas perdre de temps. Je ne vais pas perdre de temps. Biko, okay, je reviens tout de suite. Pardon, attends-moi. Naï, j'arrive. Je t'attends. Ah, Naï. Bonjour, mon frère. Hey, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors comme ça, vous êtes très bien habillé cet après-midi. Je me demande bien où vous allez. Hein? J'espère que tout va bien. Mon frère, tout va bien. Actuellement, tout va très bien. La société qui veut louer mon terrain près de la rivière m'a appelé. Ils veulent payer 10 millions de naira pendant 10 ans. 10 millions? Oui. Leur grand patron est en ville. Il veut me voir. Ah, hey. Ok, attends. T'ont-ils demandé de venir avec un proche parent? Hein? Hey, non, mon mari. Non. On ne va pas dans la même direction. Ah bon? Non. On va séparément. Je vais au marché. Elle part à Oko. Moi, je m'arrête avant elle. Oui. D'accord, alors bon sens à toi. Allons-y. Ok, partez et revenez en paix. Merci, Naï. Que Dieu te bénisse. Passez une bonne journée. D'accord. Revenez un peu. Tu as vu. Mon mari. Ma chérie. Je suis très sûre que ton frère n'est pas content de ta nouvelle richesse. Comment peux-tu dire un truc pareil? Hey, mon mari, je sais où. Je suis très sûre de ce que je dis. Non, mon frère n'est pas comme ça. Mon mari, est-ce que tu sais que quand nous étions en train de partir, quelque chose m'a dit de me retourner. Et quand je l'ai fait, devine quoi? Quoi? J'ai vu ton frère te regarder avec haine et envie. Dès qu'il m'a vu le regarder, il a détourné les yeux. Et tu dis qu'il n'est pas mauvais. Mon frère n'est pas comme ça. Je suis sûr qu'il est heureux de cet argent que je vais J'ai juste recevoir. Donné mon avis, oh. Tu ferais mieux d'y réfléchir. C'est toi qui penses autrement, chérie. Allons-y. Ok, Badagoujamukpomu. J'ai dit ma part. Ok. Naï, comment ça s'est passé? Très bien, chérie. Hein? Le patron était content de me voir. À Kokwana. Ah. D'ici la semaine prochaine, l'appareil arrivera. Sans blague. Hein? Et qu'il versera 5 millions dans notre compte. Hey! Et que les autres 5 millions seront donnés dans 6 mois. Hey! Seigneur, merci, tu es grand. Qui suis-je? Hey! Naï. Oui, chérie. Donc, finalement, la richesse viendra dans cette famille. Dieu agit de façon mystérieuse, ma femme. Je t'assure, mon mari. Ah. Dieu est vraiment bon. Hey! Hey! Oh mon Dieu, mon fils Obina. Il sera content d'apprendre ça. Enfin, il pourra poursuivre ses études à l'université. Quand je t'ai dit qu'Obina est à l'université, tu ne m'as pas cru. Naï, comment aurais-je pu te croire? Quand je savais bien que ton entreprise était bien tombée, hein? Il devait aller dans quelle université? Je te l'ai toujours dit, ma chérie. Quand il y a la volonté, il y a un moyen. Tu as raison, mon mari. Hey, tu as raison. Il te connaît. Dis-moi un truc. Ton frère, Nanya Kogwe. Hein? Aura-t-il une part dans cet argent? Non. Eh? Oui, notre père a partagé le terrain avant sa mort. Dans ce terrain est mon terrain. Mais de toutes les façons, ne t'en fais pas. Je lui donnerai quelque chose. Là, tu as bien parlé. C'est très bien. Eh, c'est vraiment très important.
C'est bien, cher. Remercions Dieu. Au moins, ça, il aura quelque chose. Naï, qu'est-ce que tu as? Naï, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Hey, Naï, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé. Hein? Naï, tu dis que tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? Pardon, qu'est-ce que tu as mangé? Naï, pardon, arrête ça, ne me fais pas ça. Naï, réveille-toi, ne me fais pas ça. Non, Naï, réveille-toi. Écoute-moi, je vais chercher une voiture pour qu'on aille à l'hôpital. Chérie, Naï, réveille-toi, ne me fais pas ça. Quand on est arrivé à l'hôpital, le médecin a dit qu'il était mort depuis. Oui, je m'en souviens, je t'ai retrouvé à l'hôpital. Mais maman, avec toutes ces histoires, tu n'es même pas sûre que c'est lui qui a empoisonné mon père. Ça aurait pu être une simple coïncidence. Écoute d'abord la fin de l'histoire avant de conclure. Oui. Ma femme, tu sais, aucune quantité de larmes ne peut réveiller les morts. Essuie tes larmes. Hein? Attends, tu veux te tuer? Ça ne sert à rien de continuer à pleurer. Hein? Aucune quantité de larmes ou de pleurs ne peut ressusciter des morts. Le mort est mort et le mort est parti. Hein? Au moins, je suis là pour toi. C'est la vérité. Je suis là pour toi. Tu sais, même Obina est aussi là pour toi. Hein? Ça se pleurait, ma chère. Tournons-nous maintenant vers le futur. Hey! Nanya Kokwe. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, c'est à propos de ce terrain. Hein? Ces gens qui ont montré leur intérêt pour le terrain. Ces gens qui venaient de l'entreprise. Où sont-ils? À quel niveau se trouve le business? J'aimerais qu'on tienne le business. Hein? Où sont-ils? À quel niveau? Qu'est-ce que se passe? En quoi ça te concerne? Ma femme, tu sais, même si mon frère est mort, je suis son petit frère. Et selon la tradition, j'hérite de tout ce qu'il avait. Hein? Donc j'aimerais parler à ces hommes et leur passer la nouvelle information. Selon laquelle mon grand frère a encore un petit frère qui est en vie et qui peut gérer cette affaire. Au moins jusqu'à ce qu'Obina soit majeure pour que je le lui lègue. Hein? Donc je veux leur parler, les rencontrer et continuer avec cette affaire. Pour pas que ça échoue parce que mon frère n'est plus là. Voilà, ça n'a aucun sens. Pas vrai? Hein? Ma femme? Naya Kogwe. Hein? N'as-tu pas honte de toi? Honte à toi? Ça veut dire quoi ça? Quel genre d'être humain es-tu? À peine 3 jours. 3 jours après la mort de ton frère. Juste 3 jours. Et tout ce que tu demandes, ce sont ses affaires en cours. Son terrain et ses biens. Quel genre d'être humain es-tu? Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de ton âme. Ferme-la, toi. Non. Tais-toi. Je rejette l'autre. Je rejette ça. Pourquoi avoir honte? Non. Qu'ai-je fait de mal? Dis-moi. Chaque femme. Qu'ai-je fait de mal? Je veux simplement que les affaires de mon frère aillent de l'avant. En fait, qu'elles prospèrent encore et encore. Jusqu'à ce qu'on devienne majeur, qu'ils prennent contrôle des affaires. Qu'est-ce que fait de mal? Ok. Tu veux que les affaires s'arrêtent juste parce que mon frère est mort? Mais non, ma femme, sois sage pour une fois, hein? Pense-y! Ramène ces gens, que je leur parle, je veux leur parler. Les affaires doivent continuer. Hein? Ma femme! Désolé, nous avons appris que c'est la concession de Fenzekoué. Ah oui, c'est vrai, hein? Je suis...
son petit frère, hein? L'unique frère qu'il a sur terre. Vous comprenez? Alors quel est le message? Transmettez-le-moi. Le message est pour sa femme. Le message est pour sa femme? Mais je vous ai dit que je suis son petit frère. Le seul frère qu'il a sur terre, hein? Donc si vous me transmettez le message, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Sa femme sera au courant du message. Hein? Alors quel est ce message? Désolé monsieur, mais nous insistons pour voir sa femme. Oui. Vous insistez à voir sa femme? Vous voulez voir sa femme? Votre patron vous a envoyé. Je connais votre patron. Hein? C'est un homme riche. Hein? Allez, passez-moi le message, il n'y a pas de problème. Monsieur, sa femme. Sa femme? Vous insistez à voir sa femme? Ok, d'accord, pas de problème. Hein? Voilà sa maison. Je vais vous y amener. Hein? Allons la voir. Je suis sûr qu'elle est là. D'accord, hein? Merci monsieur. Merci. Viens, on y va. Oui, on y va, on y va. On y va. Ogeze, ce jeune homme vient de la société. Le patron leur a donné un message. Tu connais cette entreprise qui est intéressée par le terrain. C'est celui qui peut louer notre terrain, celui qui est près de la rivière. Je pense que c'est... Alors, donnez le message. Hein. C'est la femme de mon défunt frère. Vous pouvez voir comment... Alors, donnez-nous le message. Madame, désolé pour la mort de votre mari. Ça ne nous empêche pas de vous dire la raison de notre Exactement. Visite. Notre société nous a envoyé pour venir vous informer que nous ne sommes plus intéressés pour ce business. Parce que nos ingénieurs, après la dernière étude, on a découvert que la rivière est peu profonde pour envoyer nos engins. Nous sommes donc venus vous informer au cas où une autre personne serait intéressée par le terrain, vous pouvez le vendre. C'est pour ça que nous sommes là. Allons-y. J'ai ouais, compris. On y va. Merci, madame. Attendez. L'entreprise est plus intéressée. Oui, monsieur. Hey mais... Au revoir, monsieur. J'ai compris. Quoi? Si tu avais vu l'expression de son visage quand ces hommes ont dit qu'ils n'étaient plus intéressés par le terrain, il est évident qu'ils convoitaient le terrain. Bien sûr, c'est évident. C'est évident qu'il a écarté du chemin pour que ce soit lui qui prenne l'argent du bail du terrain. Mais maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit cela depuis? Tu n'as aucune preuve pour appuyer tout ça. Comment ça, je n'ai pas de preuve? C'est évident. L'as-tu vu empoisonner le repas de ton père? Maman, avec tout ce que tu viens de me dire là, cet homme a tué mon père juste pour recevoir l'argent de ces gens. Il ne s'en tirera pas comme ça. Mon fils, calme-toi. Pourquoi les gens sont si méchants? Calme-toi. Remettons tout ça entre les mains de Dieu. Maman, s'il te plaît, cesse de dire ça. Nous sommes tous chrétiens, cesse de dire ça. Tu savais toutes ces choses, je restais tranquille. Tu crois que c'est la meilleure façon de résoudre ça? Mais c'est clair, c'est plus que clair. Que voulais-tu que je fasse? Me battre? Hey, mais non! Les gens sont très, très méchants. Écoute, maman, je peux prétendre que tout va bien, que je vais t'écouter. Mais retiens mes mots, il ne s'en sortira pas comme ça. Ce n'est pas possible. Jamais de la vie. Je t'ai dit de remettre ça entre les mains du Seigneur. Maman, cesse de me dire ça. Bien sûr que toi et moi connaissons Dieu. Cesse juste de parler. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça depuis? Je n'ai cessé de te demander, mais tu me racontais des bêtises. Tu me racontais du n'importe quoi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça depuis? Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Regina? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Obinna de mes propres yeux. Oh. Oui. Il était en train de récolter les noix de palme sur le terrain où tu lui as interdit d'entrer. Attends, tu l'as vu? Oui, papa. Papa, dis quelque chose. Que je dise quelque chose? Non! N'est-ce pas c'est dans cette maison qu'il ramènera ses noix de palme? Je ne sais pas. Ne t'en fais pas, je l'attends. Vas-y, ne t'en fais pas. Je l'attends ici. Papa, il doit te rapporter ça haut.
Je l'attends ici. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Qu'il ramène d'abord ses noix de palme. Tu comprends? Ensuite, je saurai quoi faire de lui. Ah! Dans cette maison, je l'attends. Ne t'en fais pas. Hein? T'en fais pas. On fera ça. Ah! Ok. Ce gamin veut goûter à la colère du tigre. Très bien. Il sera servi. Robina, d'où sors-tu avec ces noix de palme, je veux le savoir. Quel est ce genre de stupide question? Nom de Dieu, moi stupide? Hé, Robina, tu ne ranilles pas avec ces noix de palme. Si tu veux le faire, alors frappe-moi. Je te jure, nom de Dieu, si tu ne t'écartes pas ton chemin maintenant, ce que je vais te faire, tu n'aimeras pas. Pardon? Tu as besoin d'une noix de palme? Noix, oui. Tu as besoin d'une noix de palme? Oui, tu les as volées dans mon champ. Robina. Écarte-toi, hein! Tu ne passeras pas! Quoi? Tu ne passeras pas! Mais où est-ce que tu crois aller comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois cet homme? Je rentre à la maison en paix, ensuite il m'a bloqué! Il me pose des questions! Vous avez besoin d'une noix de palme? Tu as besoin d'une noix de palme? Oui, ce sont mes noix de palme! Aussi, Nador, gagnez-nous! Déposez-les ici! Ma Oh, Bina, oh. C'est mort, tu n'aurais pas dû faire ça. Hey! Obina m'a tué. Obina m'a tué. Hey! Pourtant, je ne lui ai rien fait. Hey! Je sais, mais Obina m'a tué. Obina m'a tué. Obina m'a tué. Il m'a poussé, je suis tombé. Hey! Obina m'a... Je resterai ici jusqu'à ce que ma fille rentre. Je vais rapporter tout ceci au roi. Je suis un grand notable. Tu me fais honte, Obina. Tu me fais honte. Ça jamais. Hé hey! Obina m'a tué. Je suis mort, Obina m'a tué. Un idiot. Mais de ce quoi j'ai peur de toi? Ça servait à quoi? Pourquoi? Pourquoi l'as-tu poussé? Pourquoi je ne pousserai pas? Non, dis-moi, pourquoi je ne pousserai pas ce démon au sol? Pourquoi m'attaquer toujours, chaque fois que je vais récolter, les produits de mon défunt père? Obina. Non, maman, pardon, ne m'appelle pas. Maman, ne m'énerve pas. Je ne suis pas heureux dans cette maison. Les égos sont tous en ville à bosser. Et ce démon est là, à frustrer ma vie. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Merci l'eau. La prochaine fois qu'il tente tout ça, hein, si je ne le frappe pas, sache que mon nom n'est pas Obina. Maman, pardon, hein, pardon. Pardon, suis-je vraiment fâché? Hé, hey, Obina, fais attention. Je pourquoi je l'ai poussé. Obina, fais attention, Obina, fais attention, oh. Hé, hey, où est ma fille? Obina m'a tué. Obina m'a tué. Hein? Où est-ce que ma fille est partie? Obina m'a tué. Hé! Hey! Ah, papa? Obina m'a tué. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Eh? Obina m'a tué. Papa, qu'est-ce que tu fais au sol? Obina m'a frappé comme un serpent. Il m'a copieusement frappé. Ce gars m'a sérieusement battu. Obina m'a tué. Attends, papa. Voilà. Papa, tu veux dire qu'Obina a posé ses sales pattes sur toi? C'est exactement ce que je t'ai dit. Obina m'a tué. Obina a dépassé les bornes. Papa, lève-toi d'abord. Obina m'a tué. Papa, ne t'en fais pas. Obina m'a tué. Papa, ne t'en fais pas. Hey. Papa, ne t'en fais pas. Ne t'en fais surtout pas. Papa, ne t'en fais pas. Obina m'a tué. Papa, ne t'en fais pas, je peux gérer Obina. Obina, c'est qui? Ne t'en fais pas. Laisse-moi t'aider. Obina m'a tué. Papa, doucement. Doucement. Je vais m'occuper de lui. Papa, ne t'en fais pas. Obina! Ne t'en fais pas. Obina va payer pour ça. Où est-il? Où est-il? Obina! Obina, viens ici m'affronter. Si tu sais que tu es un homme, viens ici m'affronter, Obina. Viens ici. Obina. Obina, je t'ai dit de sortir de m'affronter. Viens m'affronter si tu es un homme. Viens m'affronter. Pourquoi tu vas boire? Obina, hein? Je suis ici pour te demander. Pourquoi est-ce que tu as frappé mon père? Pourquoi l'as-tu frappé?
Qui a frappé ton père? Moi? Oui. Toi. Tu dois être très stupide. On dirait que t'es pas intelligente. Hein? Tu dois être vraiment folle pour venir ici raconter des sottises. T'es malade? Obina, c'est toi et ta mère qui êtes stupide. Oui, en fait, tu es un idiot pour avoir posé tes sales pattes sur mon père. Tu sais quoi? Tout le village doit être au courant. Je vais dire aux Igwe et aux Omuna que tu as failli tuer ton vieil oncle. Je vais leur dire. Ils seront au courant. Dégage. Et si je ne pars pas, qu'est-ce que tu vas faire? Dégage ici! Idiot! On va rester ici! Obina! Non! Pourquoi tu fuis? Ne va pas en ville! Oh. Ne va pas en ville! Pourquoi tu fuis? Ne va pas en ville! Ne va pas en ville! Viens, non, viens! Non, reste ici! Reste ici, affronte mon père et moi! Viens me défier! Reste ici! Obina, tu vas voir! Sorcière! Il vient me poser des questions stupides! Viens ton père d'essayer encore ça! N'importe quoi! Obinam, Obinam, je n'aime pas la façon dont tu te querelles avec ton oncle et ta cousine. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas la façon dont je me querelle? Tu n'aimes pas la façon dont je me querelle? Oui. Parce que j'ai décidé d'arrêter de garder le silence. Parce que j'ai décidé d'arrêter de garder le silence. Maman, laisse-moi tranquille. J'ai commencé avec eux. Trop c'est trop dans cette maison. Tout ce qu'ils veulent, je vais leur donner. Trop c'est trop. Trop ce n'est pas trop. Écoute, ce n'est que toi que j'ai dans ce monde. Je n'ai que toi. Hein? Ah, laisse ça, qu'est-ce il n'y aura rien. Laisse ça. Pourquoi tu parles des êtres humains comme toi? Ils sont dieux? Pardon, laisse-moi tranquille. Trop, c'est trop. C'est ce que je sais. Obina, ce que tu ignores, c'est que ton cher oncle-là est méchant. Il est capable de faire tout ce qui est mal. Il est capable de rien. Laisse ça, maman. Maman, je n'aime pas ces choses. Hein. Je n'aime pas ces choses. Je n'aime pas ça. La meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Tu leur donnes juste ce qu'ils veulent. Quand je les traiterai comme ça, ils sauront que... Cette famille a ouvert les yeux. Obina, je t'en supplie. Hein. Restez en dehors de tout ça, pardon. Maman, je ne veux pas de problème. Laisse ces gens. Je ne veux pas de problème. Je pense à moi-même. Laisse-moi tranquille. Je pense s'il à moi-même. Plaît, je ne suis pas content, donc laisse-moi tranquille. Je ne suis pas content, laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, pardon, écoute-moi. Hein? Pardon, écoute-moi. Laisse-les, je t'en supplie. S'il te plaît, laisse-les. Papa, je vais dire à Omuna. Oui, et je vais aussi devoir rapporter cela à Igwe. Papa, je vais même appeler mon frère Monzo pour qu'il revienne de Lagos. Pour qui? Oh non, attends, pour qui? Obina, ce petit rat. Allez, ne perds pas ton temps. Ah. Papa, ce n'est pas une histoire de perte de temps. Papa, Obina a failli me battre après t'avoir battu. Ah, je dois appeler grand frère Nonso pour qu'il revienne ici pour lui donner une leçon. Il doit lui donner une leçon. Cette folie doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Attends. Est-ce parce que j'ai laissé Obina? C'est pour ça qu'il s'agite partout comme un singe confus? Hein? Obina a le courage de se rebeller contre nous? Il est malade? Ah, laisse-moi te dire un truc. Cette main que tu vois a battu. Plus elles sont puissants. J'ai massacré des hommes, des vrais hommes. Mais qui est ce petit rat, ce bébé rat? Il n'a absolument rien. Ah, laisse-le. T'en fais pas. N'appelle pas ton frère. Pourquoi vous êtes sûr d'appeler pour qu'il gaspille son temps et son argent pour venir de Lagos? À cause de cet idiot. Laisse-le tranquille. Écoute, tu sais, quand je vais m'occuper d'Obina, quand je vais en finir avec lui, yeah, je te jure, tu peux me croire qu'il regrettera le jour qu'il est né. Je te jure. Je te dis la vérité. Cette famille ne peut pas nous contenir, Obina et moi. Je vais le finir, je vais m'occuper de lui. Ne t'occupe pas de lui. Ah, Obina, c'est qui? En fait, dis à ton frère qu'au lieu de venir ici, qu'il m'envoie plutôt cet argent. Je vais boire du vin avec. C'est beaucoup mieux. Pourquoi perdre sa santé et son argent à cause d'Obina? Pourquoi? Qui est-il? Obina. 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 Pour avoir dépassé les bornes,
quand tu mâcheras sur cette substance, ta santé ne sera plus la même. Tu partiras en enfer. Obina. Obi. Ah. Obina. Ah. Obina. Hey. Hey. Non, 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 Obina, 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 ne fais pas ça. Non, 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 ne fais pas ça. Obina, pitié, je t'en supplie. Obina, s'il te plaît, réveille-toi. Obina, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Ah! Maman? Maman? Tu as dormi ici? Mon fils. Quoi? Tu es toujours vivant. Mon fils est toujours vivant. Tu vas bien? Oui. J'ai vu ton oncle dans mes rêves. Il t'a tué. Il est venu faire des incantations. Ah. Oui. Et j'ai pleuré à chaudes larmes quand tu m'as réveillée de ce rêve. Maman. C'est un rapport avec tout ça à quoi tu penses, maman. Si ça te revient dans les rêves, ok? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas ça, Obina. Ça, c'est une révélation de Dieu. Oui, c'est ton oncle. Il a une mauvaise âme. Oui. Dieu nous a révélé pour qu'on prenne des précautions. Et je ne blaguerai pas avec ça. À la première heure, demain... Tu partiras de ce village pour la ville. Pour la ville? Oui. Ah, mais maman, je ne connais personne en ville. Tu n'as pas besoin de connaître quiconque pour rester en vie, mon fils. Écoute, d'autres personnes en ville sont là-bas à bosser dur et ils réussissent. Tu dois chercher tes amis, tes égaux, maman, les gens sais. Que tu connais. Je sais, je sais. Nous en avons déjà parlé, non? J'irai en ville, mais pas maintenant. Je t'ai dit que je vais épargner assez d'argent, donc si je pars maintenant, je ne pourrai pas m'en sortir. Donc... Ce n'est pas vrai, mon fils. Tu vas partir. Tu ne vas plus vivre dans ce village. Tu ne vas plus vivre dans ce village. Ce n'est pas sauf pour toi. Tu vas partir. Pour que tu restes en vie, tu dois partir à la première heure demain. La première heure demain? Oui. Au premier chant du coq, tu quitteras ce village. Obina, écoute, je veux que tu partes de ce village. Oui, tout de suite. Je ne veux pas que ton oncle, ou sa fille, ou quiconque te voie. Tu dois partir, maintenant. Mais attends que le jour se lève, non, maman? Quel jour qui se lève? Ça ne va pas dans ta tête? Je ne veux pas qu'on te voie et tu parles du lever du jour. Vas-y, pars. Je t'accompagne d'abord. Vas-y, pars. Maman, c'est bon, je m'en vais déjà. C'est bien. Prends soin de toi. Oui, je le ferai. Tu sais, tu vas me manquer. Mais ne t'en fais pas, je te mettrai dans mes prières. Hein? Je vais prier pour toi, jour et nuit. Prie toujours, toi aussi. Le matin et avant de dormir. Hein? Bon voyage. Hein? Fais un bon voyage. Bye. Vas-y, vas-y. Au revoir. Fais un bon voyage. Hein? Très bien. Bye. Akrika. Ah, je suis encore revenu. Et pourquoi cette fois-ci? Le fils de mon défunt frère. Obina, tu sais, je ne voulais pas faire quelque chose de drastique depuis tout ce temps. Parce que je pensais vraiment pouvoir les contrôler, sa mère et lui, avec le temps. Que je les mettrais sous mes pieds. Mais j'ai eu tort. Akrika, j'avais tort.
Ce garçon ne m'obéit plus du tout. Il ne me craint plus du tout. Ce garçon ne me respecte plus du tout. En plus de ça, il arrive à contredire mes ordres, mes instructions. Hey, Gwanifo, peu importe ce que je dis, il le contredit. Hey, Kunozo. Tu sais le pire dans tout ça, Kirika. Hmm? Cet idiot m'a frappé sans pitié. Comme un serpent. Il m'a frappé. J'ai frôlé l'évanouissement. Hein? Donc, tu veux que nous l'éliminions maintenant? Akrika, pas seulement l'éliminer. L'éliminer serait trop facile, là. Hein? Avant son élimination, il y a un processus que j'aimerais qu'il suive. Premièrement, son corps devrait commencer à pourrir de la tête jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, sauf ses os. Hein? Ouais. Ensuite, il souffrira de douleur. Oui, d'affreuses douleurs. Il doit souffrir le martyr. Tout son corps doit lui faire mal. Hein? Pendant un très long moment. Avant qu'il n'aille rejoindre son père. Voilà ce que je veux. Oui! Voilà ce que mon désir, Akrika. N'oublie absolument aucun détail. Prends ce pot. Ah ouais? Prononce son nom trois fois au milieu de la nuit. Dis tout ce que tu veux. Verse la substance là où il va passer. Et tout ce que tu diras se réalisera. Ada wachi chula yesu. Ada make kwereka. Wata mokwe gorebo. Kobo boyo. Akrika. Odogo. C'est vraiment très fort. Ne t'en fais surtout pas. Si tu parviens à réussir, il souffrira vraiment beaucoup. Mes produits marchent toujours à 100%. Je te fais confiance. Tu peux t'en aller. Obina, ce n'est pas facile. Tu te rappelles de tous nos anciens camarades de classe? Certains d'entre eux sont très chanceux. Certains d'entre eux ont des papas riches, des amis de famille riches, des relations. Mais regarde-nous! Nous n'avons personne! Personne! Même si cette situation semble désespérée. Malgré ça, nous allons continuer de travailler jusqu'à ce que Dieu décide de nous sourire. C'est clair, mec. C'est clair. Donc tu disais que tu es un pousseur de bourrette dans la ville. Obina, je peux pas te mentir. C'est ce que je fais, c'est la vérité. Moi, je n'aime pas trop pousser la bourrette. Il n'y a pas d'autres métiers disponibles qu'on peut faire. Des jobs moyens en dehors de pousser la bourrette. Oui, ça dépend. Ça dépend de ce que tu souhaites faire. Tu as le choix. Certains des gars que tu vois là dehors, beaucoup d'entre eux travaillent à l'usine. Certains sont payés par mois, d'autres par semaine, mais moi j'ai décidé d'être mon propre patron. Je peux aller travailler quand je veux, rentrer quand je veux. C'est relax. Et combien gagnes-tu par jour? Je crois que tu ne veux pas le savoir. Eh bien, je gagne environ 2500 naira par jour, parfois moins que ça. Mais un jour, j'ai atteint 3500 naira, en une journée. Ah bon? 3500 naira. Je t'assure. Donc si tu manges maintenant, et règles les trucs personnels par jour, combien est-ce qu'il va te rester? Oublie ça. Il vaut mieux que tu restes oisif. Peut-être 450 ou 350. Non, oublie ça. Regarde, c'est mieux que tu restes à ne rien faire, ou tu veux faire des braquages ou de l'arnaque, tu sais, c'est monnaie courante de nos jours. Non, ceux qui réussissent prennent des risques. Allez, ne le fais pas, mon frère, je te dis, ne le fais pas. Ai-je le choix? Ai-je le choix? Non, je n'ai pas le choix. Je vais le faire. Faisons donc ça. Ce dont nous parlons. Tu sais, tu es le bienvenu. Merci. S'il te plaît, j'ai très très faim. Il n'y a pas quelque chose à manger? Ou c'est 720 que tu as gagné?
Papa? Regina, tu reviens du marché, c'est ça? Papa, le soleil chauffe énormément. En plus, je n'ai même pas trouvé tout ce que je cherchais. Laisse-moi te demander un truc. C'est à propos d'Obina. Je ne l'ai pas vu de la journée. Es-tu sûr qu'il est ici? Papa, Obina n'a aucun autre endroit où aller. Oui, je veux dire, il ne peut aller se cacher que dans l'Égypte de sa mère. En fait, papa, laisse-moi te dire. C'est parce qu'on lui a dit que tu voulais te venger. C'est pour ça qu'il se cache. Obina, un petit garçon qui est né hier. J'étais présent quand il est né. En fait, j'ai donné mon argent durement gagné pour payer la dot de sa mère. Maintenant qu'il a grandi, il a l'audace de me défier. Moi. Aïe. C'est bien, c'est bien. Et donc on verra jusqu'à quand est-ce qu'il restera. Il compte rester caché. C'est bien, c'est bien. Il n'y a aucun problème. Je suis en train de sortir. Papa, ne t'en fais pas. Dès que j'arrive à la maison, je m'en vais chez lui. J'irai chez lui. Peu importe où il est caché, il sortira. Oui. Et laisse-le. Je vais voir un ami. S'il te plaît, rassure-toi de cuisiner mon meilleur repas. Tu comprends? Papa, le soleil chauffe trop. Ne va pas loin. T'en fais pas, ma fille. Je vais d'abord voir. Je vais voir mon ami. Pas, tu comprends. Papa, le soleil chauffe trop. Ne va pas loin. T'en fais pas, ma fille. Je vais d'abord voir. Je vais voir mon ami. Les brouettes sont à l'intérieur. 200 naira, c'est ton dépôt quotidien. Si tu réussis à atteindre 50 balles par an, la brouette est à toi. C'est une location-vente? Oui, bien sûr. Ah, c'est trop ça. 50 000 naira pour une brouette? C'est moi que tu demandes? Tu ne sais pas où on vend les brouettes? Mec, fils le con, dégage de là! Afono, s'il te plaît, ne te fâche pas, hein? C'est un bon garçon. C'est juste qu'il vient du village. S'il te plaît. Donc, depuis que je laisse toutes tes choses là, hein? Il se prend pour un grand savant? Non, frère, je ne me prends pas pour un grand savant. J'ai dit juste que... Enlève quelque chose. C'est trop, ça. Mec, tu sais, on a compris ce que t'as dit, ok? Ne t'en fais pas, on va en reparler à côté, ok? Juste nous deux. Après, on reviendra. Nous revenons, d'accord? De toutes les façons, faites comme vous voulez. Mec, tu es Mougou ou quoi? Tu es Mougou? Une brouette coûte combien? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, c'est comme ça que tu te rends esclave dans cette ville? Une brouette coûte combien? Et qu'est-ce que tu racontes? On fait des locations-ventes partout. Mec, laisse ça, ce n'est pas de ça que je parle. Les locations-ventes se font partout. Ce n'est pas ça qui va te faire souffrir comme ça. Et tu prends l'argent et tu donnes à quelqu'un. À combien achètes-tu une brouette? 12 000. Comment tu peux donner 50 000 à quelqu'un pour une brouette? T'as la bouche comme 12 000 naira. Ok, même avec 10 000 naira, peux-tu l'acheter? Mec, oublie ça. Admets d'abord que tu as fait une erreur. T'es censé être plus sage que ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu souffres et tu prends l'argent, tu peux donner à quelqu'un. Pour 50 000, une brouette qui est... Ok, tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Il balance sa main et fume une cigarette. Il me demande d'aller prendre la brouette et d'aller travailler pour lui. Obina, calme-toi. Que veux-tu qu'on fasse maintenant? Mec, dans tous les cas, j'ai épargné de l'argent de ma vente du bois du village. Tu peux utiliser ça pour acheter une brouette? Non, même si c'est déjà utilisé, on commence quelque part. Tu parles sérieusement? Eh oui. Mais qu'est-ce qui te prend? T'aurais dû le dire d'entrée de jeu! Par ta faute, nous sommes fait ridiculiser! Ce n'est plus une histoire de se ridiculiser, c'est juste que j'ai honte pour toi. Parce que t'es censé être plus sage que ça. Obina, ne m'insulte pas. Même si tu me fais l'esclavage, tu te positionnes. C'est mieux comme blanc t'achète, te mettre une chaîne au cou et il part avec toi. Insulte-moi parce que je suis un travailleur acharné. Insulte-moi parce que je travaille dur. Mec, allons le dire à ce gars qu'on n'achète rien. Viens. Ne va surtout pas là-bas m'insulter, je te connais. Que veux-tu donc qu'on lui dise, hein? Dépêchons-nous de partir d'ici. Ok, partons alors. Ce gars partons. Est un criminel, je te dis. Ce gars est un criminel. 500 700
900. 1000. 1200. 1300. 1400. 1540. 1540. Est-ce bien tout l'argent qu'on a gagné aujourd'hui ? Mais oui. On est mieux que les gens qui restent au village sans rien faire. Mon frère... Je suis même au village depuis. Je serais venu ici travailler dur et avoir mon argent. Mon frère, je vais te dire ce que je pense. Tu sais quoi ? Quand on est dans un business légal et qu'on travaille de façon acharnée, un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, cela s'avère payant. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est mille fois mieux que de rester à ne rien faire. Je t'assure. Mais qu'est-ce qu'on va même manger ? On doit trouver quelque chose à manger. Tu sais cuisiner ? C'est quel genre de question ça ? Qui cuisine pour ma mère au village ? Lisa, ça concernait le village là-bas. On est en ville ici. Comment ça on est en ville ? C'est l'heure qu'on utilise pour préparer la nourriture en ville ? Oublie ça, je te dis. Ah, attends, regarde. On va commencer par les pâtes, d'accord ? Je vais voir à quel point tu sais cuisiner. Comment ça je commence par les pâtes ? Bien sûr. Si je cuisine et que tu ne veux pas manger, c'est ton problème, frère. T'es pas sérieux, t'es pas sérieux, je te dis. C'est la poubelle que je mangeais. Quand je cuisinais, je ne mangeais pas. Je ne cuisine pas pour toi. Hein. Et en quoi est-ce que ça me concerne ? Ça veut dire quoi ça ? Tu m'as embauché comme cuisinier ou quoi ? S'il te plaît, s'il Pardon. Te plaît, s'il Regarde te plaît. Regarde ça. C'est combien là ? Regarde 1000 naira. On va utiliser... Combien est-ce que j'utilise ? On va utiliser... 540 pour acheter les pâtes. Ok. Hein ? Obina. 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 Je veux que tu sois infecté par une maladie incurable. Ta veuve de mère dépensera toutes ses économies, mais en vain. Ton corps se mettra à pourrir de la tête jusqu'à ce que rien, absolument rien, ne reste de toi. Dès que tu poseras tes pieds sur cette substance, c'est ainsi que commencera ton malheur. Mon frère, au Moïké, aujourd'hui c'est très dur. Je te dis, c'est vraiment dur aujourd'hui. Mec, si cette journée continue comme ça sans que je ne reçoive quelque chose en retour, autant aller à la maison et dormir ou regarder la télé. Je ne peux pas perdre cette journée entièrement. Autant rester à la maison et dormir. Moi, je vais rester là. Ah, aller à la maison pour aller faire quoi là-bas ? J'attends juste que cette femme qui a dit que je vais lui porter ses boissons, que je sache si ça marche toujours. Si ça ne marche pas, moi-même, je vais aller dormir. Je ne comprends rien aujourd'hui. Même les clients se plaignent. Mec, là, on a mangé hier. Cette femme sait cuisiner, hein ?
Tu veux dire la place où vont Adja, n'est-ce pas? Je t'assure. Je te dis, depuis que je suis ici, les gens ne savent pas préparer. Mon frère, je te dis, c'est la meilleure cuisinière de cette ville. Je t'assure. Je t'assure, elle cuisine bien. Avec sa fille claire de peau qui attire les clients comme un aimant, elle les fait acheter ce qu'elle veut. Je te dis. Cette fille est belle, je ne vais pas te mentir. J'ai fait attention à comment tu l'as regardée la dernière fois où nous y sommes allés. Pourquoi ne pas la regarder? Si tu vois une belle femme, tu ne vas pas la regarder? C'est toi qui devrais regarder. Écoute, tu ferais mieux d'oublier cette fille, d'accord? Tu vois cette fille? Elle voit grand. Elle ne sort qu'avec des hommes très riches. Laisse-moi te dire que jamais elle sortira avec un homme dans ton genre. Mais pourquoi? Continue de demander pourquoi. Non, donc, mais regarde le métier que tu fais, tu ne vaudras rien pour elle. C'est de raconter des bêtises. Ça veut dire quoi, ça? Ce n'est pas l'argent qu'on travaille? Donc c'est mieux que je vole? Ok, va tenter ta chance. Mieux voleur. Va tenter ta chance. Mais je t'aurais prévenu, tu vas t'en mordre les doigts. Attends. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne va pas me regarder? Qui te dit qu'elle ne va pas me regarder? Obina, ne te fais pas ridiculiser dans cette gare. Pardon, laisse ce que tu me racontes là. Je t'aurais prévenu. Comment tu peux dire qu'elle ne va pas me regarder? Essaye, tu verras. J'ai la merde au visage. Va essayer, tu te casseras les dents, tu verras. Mec, tu me fais rire. Si je lui dis qu'elle me plaît et elle me rejette, la vie ne va-t-elle pas continuer? Mylène, comment tu vas? Bon après-midi. Bon après-midi. Fiston, ça va? Hélène, serre-moi à manger, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Même pas de bonjour? On se querelle? Hein? Oh gars, pardon, dis ce que tu veux, je suis très occupée. Sans souci, donne-moi juste du riz. Du riz et une viande. Une viande? Oui. J'ajoute du haricot? Non, juste du riz et une viande, ça me va. Pas de haricot. Combien ça fait en tout? Ça va faire 300. 300? Essaie de sourire, non? Hein? Tout le temps, tu fronces le visage comme si tu étais querellé avec quelqu'un. T'es une belle fille, hein? Les belles filles ne froncent pas le visage comme ça. Essaie de sourire, non? Hein? La vie n'est pas trop sérieuse comme ça, hein? Hein? Cette vie n'est pas sérieuse comme ça. Essaie de sourire. Quand une personne te parle, okay. Souris. Ça, c'est un restaurant. Un restaurant, pas une salle de comédie. Mais je sais, est-ce que j'ai dit que c'est une boutique de chaussures? Si tu veux rire, tu pars dans une salle de théâtre. Je ne sais pas pourquoi tout le temps ton corps se chauffe comme si tu étais en guerre. Tu fais comme si j'étais venu t'attaquer. Maman, tu cuisines très bien, tu sais. À plus. Merci mon fils. Tu cuisines bien. Merci beaucoup. Essaie de sourire. Tu ne bagarres avec personne pour froncer le visage comme ça. Compris? Est-ce que c'est forcé? Souris. Je pars bosser. Ma fille, qui est ce jeune homme? Tu ne le connais pas. N'est-ce pas un Izuna qui l'a amené dans cette gare? Tu imagines ça? Un simple pousseur de brouette qui a des vues sur moi. Hein? Il pense que je suis le genre qu'il va tromper avec sa belle gueule. Beauté mon œil. Mais il t'aime, non? Hein? N'importe quoi. Mon amour, je suis frustré chaque jour qui passe. Est-ce ainsi que je vais continuer ma vie? Est-ce de cette façon que je vais faire de l'argent? Épouser une femme? Acheter une maison, une voiture? Comme font ceux de mon âge? Non. Ne perds pas espoir, bébé. Tu es encore très jeune et tu as un très grand avenir. Je t'ai toujours dit ceci. Je crois énormément en toi. Je crois en ton avenir. Oui. Et je crois que tu vas devenir un homme très riche dans cette ville. Ne sois pas dérangé par les choses qui se passent dans ta vie actuellement.
Ce que le futur te réserve, mon chéri, c'est très grand. Mon amour, ça c'est la raison pour laquelle je t'aime tant. Tes mots suscitent l'espoir en moi et me poussent à aller de l'avant. Tu es une véritable envoyée de Dieu. Je t'aime aussi. Je t'aime pour qui tu es et non pour ce que tu as. Que tu sois riche ou pauvre, je t'aime comme ça. Oui. Tu me fais me sentir comme un roi maintenant. Arrête. Je t'aime aussi, mon bébé. En fait, je t'aime encore plus. Merci. Mon amour, ce plat est délicieux comme d'habitude. Merci. Je suis contente que tu aimes le repas. J'apprécie. Je suis amoureux de ta nourriture. Bien parlé, mon bébé. Hélène. Hélène. Héléna. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quelqu'un te salue juste et tu fronces le visage comme ça? Hein? C'est moi, non? C'est moi qui ai mangé dans ton restaurant tout à l'heure. Là, là, là. Et alors? Cela te donne-t-il le droit de me stopper de cette façon? Ou bien je ressemble à ces filles de la rue? C'est même quoi ton problème? Calme-toi, non? C'est des salutations, ce ne sont que des salutations. Qu'est-ce qu'il y a de mal, là? Hein? Ne pose plus jamais tes sales mots de pauvreté là sur moi. Ne l'essaye plus. Respecte-toi. Non, mais maintenant, pourquoi tu m'insultes? Maintenant, pourquoi tu m'insultes? Pardon, dégâts d'ici, quelqu'un ne peut plus te saluer. Hein? Juste parce que je t'ai salué, je te prends la tête. Pardon, dégage. Vic, c'est fâchateur et à travers comme si la vie était sérieuse. Hein? Hélène, elle fonce la face. Cette fille, je ne te blâme pas. Tu sembles très en colère, là. Quelqu'un t'a fait des problèmes? Maman, n'est-ce pas le stupide ami d'Izuna qui est venu manger ici ce matin? Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Maman, imagine-toi. Ce gars a eu le toupet de me stopper en route pour me parler. Est-ce qu'il t'a insulté? Est-ce qu'il t'a insulté? Il peut tenter ça, un idiot comme ça. Et pourquoi ta face est comme ça? Maman, je ne suis pas son niveau. Je ne suis pas son niveau, il doit chercher son niveau. Je ne suis pas ses filles de basse classe, il doit chercher son niveau. Maman, s'il te plaît, aide-moi à l'avertir. Avertis-le parce que la prochaine fois qu'il ose me stopper en route pour me parler, c'est que je vais lui faire. Hélène, calme-toi. As-tu apporté l'argent que je t'ai demandé d'aller chercher? Merci, calme-toi, va à l'intérieur. Il se prend pour un beau gosse, il pense que je mange la beauté. Cette fille, elle est franchement terrible. Elle est trop orgueilleuse, arrogante et irrespectueuse. Je t'assure. Je t'avais prévenu, pourtant. Je t'avais pourtant dit de ne plus faire attention à cette femme. Cette femme ne fait attention qu'aux hommes très riches, je te dis. Et surtout pas aux maîtres dans notre genre. Qu'elle dégage. Elle se prend pour qui? Écoute, dans cette ville, personne ne fera attention à toi. Personne ne te regardera comme un beau gosse. Surtout pas si tu travailles aussi dur que nous pour gagner ta vie. Mon pote, un jour, on va avoir cet argent. On va avoir cet argent. C'est certain, nous ferons de l'argent. Ce que je vais te demander, c'est de te calmer, de te concentrer sur une femme qui en vaille la peine. Une femme décente comme ma copine Nena, par exemple. Quelqu'un qui pourra t'encourager et te supporter dans ces moments difficiles. Mon pote, oublie ça. La seule fille décente qui restait, tu l'as prise. Tu racontes n'importe quoi, il en existe. Il n'y a plus aucune fille décente. Si moi j'ai pu en trouver, toi tu peux en trouver également. Comme ça. Relax, c'est tout. La toute dernière, mon ami. Relax, je te dis qu'il en existe. Elle n'existe plus. Ce que je te dis, c'est la vérité. Calme-toi, je te dis, calme-toi, il en existe. Que je vois là. Mon frère, pardon, laisse-moi. Alors tu ne me crois pas, c'est ça? Je te crois, je te dis ce que je te dis là. Je ne peux pas te croire. Si j'ai pu en trouver une, tu peux en trouver une autre, toi aussi.
Je t'assure, tu peux me croire. Calme-toi juste. Calme-toi. Sans souci. C'est bien. Tu as dit que tu es en train de sortir. Oui, papa. Je vais aller acheter quelque chose. Et quelle sorte de choses veux-tu aller acheter? Papa, je veux faire une sauce. Et il n'y a plus de piment et d'oignons dans cette maison. Adiqué. Tu es terrible. Je voulais te demander quelque chose. Ce gars, Dobina, je ne l'ai pas revu depuis ce jour. Papa, donc je ne t'ai pas dit. Que se passe-t-il? Papa, tu te souviens du jour où il t'a poussé? Mon ami Ouzoma m'a dit que sa mère l'a fait partir de ce village en douce, très tôt le matin quand tout le monde dormait encore. Papa, tu sais quoi? Ils ont peur de nous. C'est pour ça qu'ils se cachent. Ils ont peur. Attends. Tu veux dire qu'il n'est pas? Papa, est-ce que tu l'as vu depuis ce jour? Non. Papa, est-ce que tu connais même le plus drôle? Quelqu'un m'a raconté que Obina rejoint Izuna à Asaba et qu'il pousse des brouettes. Des pousseurs de brouettes. Hey. Obina, pousseur de brouettes. Hey, oh Fumbo. Obina. Ok, Sinje. Je t'assure. Hey! Hein? Hey, Fumbo! Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, il pousse des brouettes. Sa vie n'est même pas belle. Il souffre. Tu devrais être content. Papa? Papa, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi aller te chercher de l'eau. Viens. Papa, laisse-moi aller te chercher de l'eau. Va appeler Akrika. Papa, laisse-moi aller te chercher de l'eau. Va appeler Akrika. Va appeler Akrika. Papa. Au secours. Bonne Molima. Awolia Molien Odiba. Papa. Awozeze. Minjan le ou. J'ai mal. Au secours. Mon cher, c'est quoi le problème? Laisse-nous ma fille. Que se passe-t-il? Ce garçon a quitté le village bien avant que je vienne chez toi pour prendre. Tu veux dire que ce garçon n'a pas marché sur cette substance jusqu'à présent? Non, pas du tout. Il n'a pas marché. Il n'a pas marché de ça. Hey! Hey! Akarika! Mon apoapo! Okinenyem, hein! Akrika! Akrika, sauve-moi! Il n'a pas marché dessus. Sauve-moi. Hey! S'il te plaît, dis-nous ce qu'il faut faire. J'ai terriblement mal, je ne sais pas quoi faire. Sauve-moi, s'il te plaît, dis-moi quoi faire, Akrika. Hey! Cesse de crier. Hey! Hein? Amenez-boi, boy, boboya. Hey! Amenez-boi, boy, boboya. Akamu, dota. Okalabie, le mou, mamouamou. Olu, boy, 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 ya, nou. Kawe, boy, ya, wofonou. Kawe, nou, si, ya, wé, nou, nou. Auna, kawaye, se, vi. Kawaye, ma, yi, ga, ou. Ezani, kawanye, vi. Kawanye, me, yi, ou. Oba, di, djegana. Bolu, fwe, ba, nou, djegana. Et, jorgo, de, ou, du, fwe, de, men. Akrika! Papa! Akrika! Je suis fini! Papa! Papa, qu'est-ce qui se passe? Ma fille, tu ne peux pas... Papa, pourquoi est-ce qu'Akrika crie? Tu ne peux pas comprendre. Allez, papa, dis-le-moi! Papa! Allez, papa, parle-moi! Papa! Madame.
Combien de fois t'ai-je averti de ne plus me toucher? Hein? Combien de fois? Tu me balades? Pourquoi tu me gifles? Tu es normal? Juste parce que je t'ai touché? Dégage! Appelez la police! Tu es très stupide! Cette fille est normale? Je vois que tu n'es pas normal. Que le tonnerre te frappe là-bas! Parce que je t'ai touché? Levez la main pour me gifler. C'est quelle fille ça? Je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas. Madame, venez me donner mon argent. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Maman, ce gars m'a sifflé. Quel gars? Maman, n'est-ce pas ce stupide ami d'Isouda? L'ami d'Isouda m'a sifflé. Il t'a giflé d'un autre gars? Qu'est-ce que tu lui as fait? Maman, je ne lui ai rien fait. Je ne lui ai rien fait. Je marchais comme d'habitude. Il m'a stoppé. Je lui ai dit de ne plus jamais me stopper. Je l'ai giflé. Et il t'a giflé? Ne t'en fais pas, cesse de pleurer. J'ai dit arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Allô, 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 Afamou. Ma jolie maman. Maman, dis-moi, pas de neuf. S'il te plaît, je veux te voir dans mon resto tout de suite. Oui, oui, oui. Maintenant, Afamou, s'il te plaît. Ah! Sans problème, maman, sans problème. J'arrive tout de suite, maman. Tu vas me voir. Tu vas me voir, maman. J'arrive tout de suite, maman. J'arrive. N'importe quoi, il te gifle. Cesse de pleurer. Je te dis d'arrêter de pleurer. Cesse de pleurer. C'est bon, ça va. Désolée. Que se passe-t-il? Les gars, on doit aller voir Maman Adia. C'est elle qui vient de m'appeler là maintenant. Dans sa voix, c'est comme si quelqu'un lui avait fait du mal. Ça nous fera du boulot. Mec, qui ça peut bien être dans cette gare routière? Mon pote, j'essaye de comprendre. Tu ne peux pas raisonner. Mais qu'est-ce qu'il y a, mec? Si quelqu'un lui a fait du mal, pas de problème. Il n'y a absolument aucun problème. Tu sais ce qu'on va faire? On va simplement faire la fête de cette personne. Bam! Avec plaisir, tu comprends? Quand on aura terminé avec cette personne, elle comprendra qu'elle avait affaire à des hommes. Il va comprendre. On va lui montrer, je te dis. Ça fait pas mec, on va lui faire sa fête. Il comprendra que c'est nous qui faisons la fête. Je suis sérieux, boss. Je vais seulement le massacrer, les gars. On va lui montrer, je vous dis. Je vais en finir avec lui. Vous me comprenez? C'est clair. On va le massacrer. On va le massacrer. On va lui casser sa sale gueule, ce gars. Mais attends, je connais le gars dont tu parles. Je ne le connais pas. Il est nouveau dans le quartier. Il a un teint clair et il a la barbe. C'est le gars qu'ils ont ramené de son village? Oui. Il t'a giflé? Oui. Hey, voilà le genre de jeu que j'aime. Bon, ça veut dire que tu connais la personne. C'est un mot que je voulais depuis, gars. Qu'il tombe dans mon piège, frère. Aujourd'hui, Dieu a répondu à ma prière. Ce que veut dire qu'on n'a pas tant à perdre. Ne perdons pas de temps. Allons-y sur le champ. Ne perdons pas de temps. Non, mais ce gars nous a donné du poulet. Il faut qu'on aille le remercier. Adja. Ne t'en fais plus. Hélène, ne pleure plus, ok? On va lui faire sa fête tout de suite, là, maintenant. J'ai confiance en toi. Les gars, allons-y. Je te fais confiance. On y va. Madame, comme c'est pressé, je revenais manger tout à l'heure pour question d'avoir un peu d'énergie, d'accord? Tu comprends? Mm-hmm. Ne t'en fais pas pour ça. Ok. Ah, Oga, Fomo. Bonsoir. Qui est toi, Oga? Je ne suis pas ton patron. Ah, c'est toi, non? Celui qui ne te connaît pas dans cette gare est sûrement nouveau. C'est toi le boss de cette gare. Boss, c'est l'imbécile ici. Voilà le type. Donc, comme ça, nous sommes tenus là, comme ça, on regarde la télévision. Pourquoi tu sais ce que tu prends? Lève-toi, salaud. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, tais-toi. Tu n'as pas peur de nous. Quoi ton problème? Tu n'as pas peur de nous. On va prendre ce petit salopard et on va aller le massacrer trop loin d'ici. On va aller ailleurs. Ah oui?
Très bien. Oui, allons le massacrer. Ah bon? Allez, attends, oui, on ne le fera pas ici. Allez, retire-moi, c'est ma bouche. Dépêche-toi, avance. Allez, avance là-bas. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu te prends, toi? Avance par là-bas. Avance. Tu... Allez. Allez, c'est parti. Avance. Marche là-bas. Avance, dépêche-toi. Malade. Avance là-bas. Hein? Bébé, tu dois venir avec moi. C'est quoi le problème? Oui, tu dois venir avec moi maintenant. C'est quoi le problème? Je ne sais pas ce qu'Obina a fait. Afumo et ses gars sont en train de le tabasser. Oui. Où sont-ils? Sur le grand terrain, là où on garde souvent les camions. Oui. D'où Jésus? Tu sais quoi? Allons-y. Oka, s'il te plaît, permets-nous de laisser ce paquet chez toi. C'est une urgence. Merci infiniment. Hey, bébé, allons-y. S'il te plaît, c'est mon frère. Je t'assure qu'il ne le refera plus. Depuis que tu me connais dans cette gare, est-ce qu'une seule fois j'ai cherché quelqu'un? Personne. Tu es un gars correct. Tu es différent. Je ne sais pas où tu allais prendre ce gars. Biko, s'il te plaît, il ne le refera plus. Pardonne-lui, s'il te plaît. Il croit qu'il est sage. Non. Il croit qu'il est sage, n'est-ce pas? Non. Il a refusé d'utiliser ma brouette en location-vente. Il est allé acheter une vieille brouette qui est plus laide que ma brouette. Genre, on dirait 1 million de fois. Hein? Il ne savait pas que j'étais fâché depuis là. Aujourd'hui, si même, il a gagné le jackpot. Il est allé chiffrer la fille de mon Mamadia. Dans cette gare, il connaît Mamadia. Hein? Là, il a cherché les problèmes. Tu vois la grosse maison là? Là-bas, il y a des policiers. Ils sont venus de la part du gouvernement. Je les ai appelés. Je vais leur dire que c'est lui le voleur, le terroriste, tout le quartier. Afon, pardon, mon Dieu, aide-nous. Tais-toi! Je ne veux plus entendre ta voix, pétasse! Biko, s'il te plaît, il ne le refera plus. Afon, regarde-moi, regarde comment c'est un homme s'humilie pour te supplier. Boss, pardon, on t'en... S'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Combien vous allez payer? Quittez devant mes yeux avec ça. Ce que tu voudras. Priez le nôtre. Ce que tu veux. Combien tu voudrais qu'on paye? Oui, combien? Combien? Bon, s'il te plaît, dis-nous ce que tu veux, on va te s'il te plaît. Hey! J'ai laissé ma boîte ici, qui a pris ça? Obina, on parle de ta vie et toi tu es là à te soucier d'une vulgaire brouette. Je ne demande pas ma brouette pourquoi. Ma brouette était ici quand je suis parti, non? Mais je vais utiliser l'argent pour acheter ça. Obina, ta brouette est en sécurité. Nous l'avons gardée pour toi. Et tu... c'est ce qu'il fallait me dire depuis le début. Nous sommes là à parler de ta vie et toi tu es là à parler de ta brouette. Attends d'abord, Obina, pourquoi tu giflais cette fille? C'est elle qui a commencé à me gifler. Je l'ai vue. Et je l'ai salué. Je l'ai appelé Hélène. Et elle a réagi en me giflant. Je lui ai rendu sa gifle. Pourquoi me gifle? Mais pourquoi, non? Tu l'as giflé en retour. Parce que je l'ai salué. Superman. C'est la seule chose que j'ai fait. Je l'ai juste salué Hélène. Tu l'as fait parce que t'es Superman, n'est-ce pas? Maintenant, regarde. Je t'ai prévenu, Obina. Je t'ai prévenu. Mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant, regarde. J'ai dû m'endetter de 20 000 Naira pour payer ta libération. Oui. C'est ce que tu as donné pour moi? Oui, oh. En plus, on les a tellement suppliés. On les a tellement exactement suppliés qu'ils prennent les 20 000 Naira. Pourquoi non? Pourquoi vous leur avez donné 20 000 Naira? Regardez-vous même ce qu'ils m'ont fait. Je leur ai encore donné 20 000 Naira. Pourquoi? Regarde ce qu'ils m'ont fait. Je leur ai encore donné 20 000 Naira. Notre argent de Dieu labeur, tu leur as donné. Ah, Obina, c'est ok, ça c'est va. C'est quoi ça? Pourquoi leur as-tu donné? Pourquoi leur as-tu donné? Ça va. Obina, laisse tomber ce que je te dis. Ok, par contre, ici, tu veux qu'ils viennent nous retrouver ici? C'est vraiment ce que tu veux? Pardon, laisse-moi. Obina, tu veux qu'un fourmi vienne encore nous retrouver ici, c'est ça? Obina, Biko, partons. Allons-y, s'il te plaît. Rassure-toi, on va s'occuper de toi. C'est ok. Je veux pas du tout de problème avec eux. Je veux pas de problème. Délicieux. On mange pas mal ce midi. Que la paix soit avec vous. Et avec toi aussi.
prédicatrice. Je partage la bonne nouvelle et l'amour de Dieu pour l'humanité. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Christ est venu et est mort. Il est venu, a souffert, est mort pour nos péchés, pour qu'on ne souffre plus. Nous, on souffre. Hein? C'est pour ça qu'on est ici. On souffre vraiment beaucoup. Vas-y, continue, s'il te plaît. Va faire quoi? Ça, c'est la raison de l'évangile que vous êtes en train d'écouter à l'instant. Si vous croyez en toutes les œuvres que le Seigneur a accomplies, vous ne souffrirez plus. Tu es de quelle église? Il ne s'agit pas d'église. Il s'agit du Christ. Bado! Bado! Lève-toi là! Dépêche-toi de partir! Attends, j'arrive! Attends-moi, j'arrive! Comme tu le sais, on a beaucoup travaillé aujourd'hui, alors pourquoi n'irions-nous pas chez Adja pour manger un bon repas? Toi et qui? Toi et moi, bien sûr. Ce n'est pas toi et moi. Jamais de la vie, je n'irai là-bas. Je suis fou. Attends, Obina, tu viens de manger du pain et de l'eau, c'est assez pour te donner de la force. Mec, si elle veut qu'elle soit les seules à vendre la nourriture dans ce quartier, comme tu me vois là, je n'irai plus jamais là-bas. Attends. Je comprends que tu sois encore fâché, mais tu sais, pardonne-moi, tu sais. Ça fait partie des problèmes qu'un homme doit affronter pour grandir. Qu'est-ce que tu sais de conseiller? J'ai dit que je ne veux pas y aller, toi va manger là-bas. Et là, me dire n'importe quoi. Et tu comptes me laisser planter là? C'est quoi ça? Viens prendre ma brouette, toi, vas-y. Très bien, à la prochaine. Dépêche-toi de m'apporter mon plat. C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? J'arrive. J'ai pas tout le temps du monde, il faut que j'aille travailler. Mais beaucoup de riz, mais beaucoup de riz. T'en fais pas, j'ai bien mis. Quoi? Va mettre de la viande. Tu veux que je mange sans viande, peut-être? Tu ne m'as pas dit que tu voulais la viande. Va me mettre de la viande, mon ami. D'accord, pas de problème. C'est pas trop tôt. Et tu veux de l'eau glacée? Oui, donne-moi de l'eau glacée. Tu n'aurais pas de l'eau minérale ici par hasard? Ne te fâche pas, on est allé acheter. Et où est ton frère? Il est toujours dans ce quartier. Pourquoi tu me poses cette question? Ah, c'est juste parce que je ne le vois plus. Il voulait jouer les gros durs. Je lui avais dit qu'une femme pouvait être plus puissante qu'un homme. Et comme il voulait jouer les gros durs, il a eu la leçon de sa vie. Hein? Écoute, dis-lui juste ceci. La prochaine fois qu'il voit une fille comme moi en route, il ne doit pas la sous-estimer. Dis-lui cela. Je ne lui dirai rien. Va le faire par toi-même. Quand tu le verras. Laisse-moi prendre plaisir à manger mon repas. C'est quoi ton problème? Hey, Timo, mon fils, qui sait ce qu'il endure là-bas? Qui sait comment la vie le crête? Jai, Obinawam, Jai. Allô? Obina, mon fils, comment tu vas? Bonsoir.
Maman, je ne vais pas bien. Je sais. Tu vois. Cette vie n'est pas un lit de rose. Depuis la création, on doit se battre. Seuls les plus forts survivent. Oui. Je comprends, je sais. Je sais. Je comprends cela. Car je sais pourquoi tu as quitté ce village. C'est bon, mon fils. Hein? Reste tranquille. Garde ta foi en Dieu. Les choses vont changer. Et comment ça va changer? Tu ne peux savoir. Mais fais-moi confiance. Les choses iront pour le mieux. Hein? Est-ce que tu m'entends? J'ai entendu, maman. Merci infiniment pour tes paroles encourageantes. Je me sens un peu soulagé maintenant. Je sais. Ne suis-je pas ta mère? Hein? Je suis ta mère, je le sais très bien. Je sais par quoi tu passes. Merci, maman. Je te promets de faire de mon mieux, de... Je te promets de continuer à bosser dur jusqu'à ce que Dieu me bénisse. C'est bien. C'est bien. Dieu te soutiendra. Pas de quoi, mon fils. Pas de quoi. Prends soin de toi. Oui. Ouais. Bye. Oui. Bonne nuit. Comment tu vas? Bien, je viendrai porter ça après. Ah, ah. Maman. Elle m'appelle encore? Pourtant, elle m'appelait hier soir, non? Maman? Na, bonjour. J'espère que tout va bien. Tout va bien. C'est juste que... J'ai oublié de te dire quelque chose de très important quand je t'ai appelé hier nuit. Qu'est-ce que c'est? Mon fils, quel que soit ce que te coûtera, une bonne Bible complète et paye-la. C'est très important, hein? Une Bible? Oui, une Bible. Écoute, mon fils, pour que tu réussisses dans cette vie, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Oui. Je veux que tu lises toujours la Bible. Lis ta Bible à la première heure avant de sortir. Et la nuit, avant de dormir, hein? Est-ce que tu m'entends? Ok, maman, je vais d'abord aller déposer la marchandise d'un client. Et puis, je t'appelle après, ok? Bien. Écoute, Obina... Ne blague pas avec ça. Je suis très sérieuse là. Tu as compris. J'achète une Bible. J'ai compris. C'est bien. Na. Ozibowa. Omanitamwam. Wanekodi. Oh. Prends soin de toi. Hein? Bye. La Bible est mon problème maintenant. La vie sans le Christ n'en vaut pas la peine. Elle est pleine de stress, pleine de souffrances, de maladies et même la mort. Mais en Christ, tu as la rédemption. Pour ton âme en premier et pour ton corps ensuite. Ok. Donne ton cœur, change ta vie et tu verras à quel point tu seras joyeux et satisfait dans le futur. Tu veux dire que si je donne ma vie au Christ maintenant, je vais arrêter de...
pousser ma brouette comme je le fais tous les jours, qu'il va me donner assez d'argent pour que je lance un grand business. C'est ce que tu me dis. Ce dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas de la fortune physique qu'on appelle l'argent. Ce que Christ va te donner est plus grand que la fortune physique. Il te donnera la vie éternelle, qui t'apportera toutes ces choses que tu recherches actuellement. La Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Quand tu donnes ta vie à Christ, tu vois, toutes les autres choses se mettent en place. Frère Izo, bonsoir. Il y a quelqu'un qui veut que tu ailles porter ses affaires. Où est-elle? Là-bas devant. Okay. Ah, dégage! Tu me parles de Christ, s'il va me permettre de gagner ma vie. Est-ce qu'il va me donner de l'argent en cash, ton Christ à la noix? Orga, c'était vous qui demandiez après moi? Où sont les paquets à transporter? Tout ce que cette fille là-bas te disait est très vrai. Et j'aimerais que tu y repenses encore. Orga, je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Prends cette Bible. Prends-la. Orga. Orga. Cette Bible a la capacité de changer toute ta vie. Entrez mieux à cet instant même. Assure-toi de la lire chaque matin quand tu te réveilles. Et ta vie va complètement changer. Orga, ce n'est pas de la Bible dont j'ai besoin d'argent. Si tu éprouves le besoin de me bénir, bénis-moi. Je n'ai surtout pas besoin de Bible. Orga. Absolument tout l'argent dont tu as besoin est dans cette Bible. Donc j'aimerais que tu rentres avec chez toi. Et assure-toi de la lire chaque matin. Ta vie ne restera pas la même. Orga, c'est pour cette Bible que vous m'avez appelé. C'est la même que vous venez de me donner. Vous n'avez pas de bagages à transporter. Vous n'avez pas d'argent à me donner. Juste une Bible. Assure-toi de la lire tous les matins. C'est compris. T'as acheté une Bible? Une Bible? Où ça? Tu te rappelles de cette fille qui venait nous prêcher la bonne parole à la gare? Elle était en train de prêcher quand ce monsieur étrange est venu et il m'a dit que tout ce que cette dame disait, c'était la vérité. Ensuite, il m'a remis cette Bible. Tu me vois acheter une Bible? J'étais étonné de voir la Bible. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Alors, qu'est-ce que t'as préparé? J'ai préparé du feu. Comment ça t'as préparé le feu? Mais mec, je viens juste de rentrer, mais qu'est-ce qu'il y a? Donner de l'argent que tu m'as dit de te donner, que tu allais cuisiner à ton retour, n'est-ce pas? Oui, aussitôt que je suis venu, je suis allé me laver, c'est là que tu es rentré, frère. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Moi j'ai faim. Attends, dis-moi, qu'est-ce que tu as gardé dans ces sacs? Ube tukunu emado Ibu tukubu ni madwe Anyame lua Utuku, Dadiwe, Otimbo,
Ochuko, Ogbedumadu. Ah, Seigneur Dieu, je te remercie. Seigneur, je t'adore. Père, j'exalte ton saint nom. Père, je te remets, mon fils. Obina, à tes soins précieux. Père, ô Dieu Tout-Puissant, tu sais qu'il est tout ce que j'ai. Ah, roi de gloire, comme il a quitté ce village, Seigneur, de grâce, ne le mets pas dans la honte. Qu'il revienne riche, que ses amis, plus riche que ses égaux, ses camarades, Seigneur, Père, bénis-le abondamment. Ô Dieu, tout ce qu'il fera comme travail dans cette ville, ô Dieu, bénis-le. Oh, pour que, quand il reviendra, il reviendra riche, Seigneur. Seigneur, pitié, je t'en supplie, oh. Père éternel, de grâce, permets que mon fils revienne riche au nom de Jésus. Que mon fils revienne riche au nom de Jésus. Que mon fils revienne puissant au nom de Jésus. Amen. Ah, roi de gloire, merci. Je te remercie, je t'adore, j'exalte ton saint nom. Je te remercie pour ma prière exaucée au nom de Jésus. Amen. Frère, ne vas-tu pas au travail aujourd'hui? Quel boulot. Mais je suis pas d'humeur pour ça aujourd'hui. Je comprends pas. Comment ça, qu'est-ce que j'ai? C'est comme ça que ma vie sera? Hein? Semaine après semaine, jour après jour, quelqu'un bosse dur, il n'y a aucun résultat. Hein? Regarde-moi, j'ai déjà mal au dos parce que je pousse la brouette. Pardon. Alors, dis-moi ce que tu comptes faire maintenant. Tu veux rentrer au village, c'est ça? Il ne s'agit pas de rentrer au village. Et plutôt de chercher autre chose. Je ne peux pas pousser la brouette pour rien. J'en ai marre. Pardon, cherchons autre chose. J'en ai marre de pousser la brouette. Écoute, le seul travail que nous pouvons faire au-delà de la brouette, c'est l'usine. Et avec un peu de chance, à la fin du mois, on te paiera 15 000 à 20 000 naira. 15 quoi? Et ce n'est pas tout. Écoute, si tu t'absentes un jour... Ou si tu te rends en retard au travail, à la fin du mois, on le déduira de ton salaire. Peut-être qu'à la fin du mois, tu pourras rentrer avec peut-être 5000 naira. Hein? Oui. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as quelqu'un qui peut prendre le risque de te prêter du capital pour que tu lances ton propre business, bien, c'est drôle, hein? Si j'avais une personne qui pouvait me donner le capital, tu crois que je serais ici? Écoute, mon frère... C'est pourquoi je dis qu'on doit garder ce travail. Parce que, tu sais ce qu'on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu ne veux pas aller au travail, n'est-ce pas? Vas-y d'abord. Ah. Après, je vais chercher à manger. Un truc à manger. Très bien, moi je vais travailler. Je suis fatigué. À plus tard. Je croyais au moins que tu allais comprendre ce que je disais. Seigneur, c'est comme ça que ma vie va continuer. Je vais d'abord chercher quelque chose à manger. Ça sera mon épargne.
Genèse. Juge. Samuel. 2 Samuel. Chronique. Qu'est-ce que c'est? La banque? La banque. Salut. Bonjour. Oh, madame la banque. Pardon, pardon. Madame la banque. Comme tu me vois là, je n'ai pas besoin de perturbation. Pardon, prends tes choses et va-t'en, s'il te plaît. Je ne voulais pas te déranger. Je vais juste... tu sais... S'il te plaît, non. C'est quoi ton problème? Je t'ai dit que la personne qui a de l'argent qui ouvre un compte. Si je veux un compte maintenant, quel argent je vais mettre à l'intérieur? Voilà les propriétés des boutiques, va les voir. Ne me dérange plus. Même les vieux et les femmes ouvrent des comptes. Laisse-moi manger. En plus, un jeune homme comme toi. Ou bien tu veux rester pousseur de brouette tout le reste de ta vie. Que le tonnerre te frappe. C'est quel genre de bête parole ça? Donc tu me souhaites de rester comme ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est quel genre de parole ça? Pardon, ne me pousse pas à t'insulter. Attends que je commence d'abord un business. Quand j'aurai commencé, là, je vais commencer à penser à ouvrir un compte. Le monde évolue. Quelqu'un pourrait vouloir t'aider. Et la seule façon de t'aider, c'est si tu as déjà un compte. Donc c'est juste pour tes futures opportunités, c'est tout. Écoute, prends juste ces papiers, hein? Remplis-les. Pour des choses futures, mon numéro est là, appelle-moi quand tu veux, s'il te plaît. Tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Et qui va remplir tous ces trucs? Hein? Qui va remplir tous ces trucs? Je peux t'aider à les remplir. En fait, ce sont des questions simples. Tu mets juste ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, si tu es célibataire ou marié. Ce sont des questions simples. Ta nationalité est nigérienne. Tu es nigérien, non? Ta date de naissance et les autres choses. Oui. Ok, ok. Donc, je vais remplir ça maintenant. Merci. Merci beaucoup, hein? Voici ton numéro de compte. Ta carte bancaire sera prête la semaine prochaine. Ok. Et où est la facture de Népa? Je te la porterai la semaine prochaine, avec ta carte. Ok. Parce qu'on utilise ça pour payer les électricités de la maison. Je sais, la banque l'utilise aussi. Ok, sans d'accord. Souci. Madame, désolée, je venais vous voir. Si vous voulez ouvrir votre compte, je ne sais pas si vous avez entendu parler de... Merci. Merci. 26 27 007. Qui t'a donné ce chèque en blanc? Un chèque en blanc? Oui, qui te l'a donné? C'est quoi un chèque blanc? Écoute, selon le niveau de richesse de la personne, ok? Si tu écris n'importe quel montant sur ce chèque, l'argent sera tout à toi. Hein? Je t'assure. Qui t'a donné le chèque? Si j'écris n'importe quoi maintenant, tu vas me donner l'argent? Donc je veux savoir qui t'a donné le chèque. Écoute, hein? Oublie comment j'ai eu le chèque, hein? Tu dis que si j'écris n'importe quel montant ici, tu vas me donner l'argent? Si tu écris un montant qui est plus élevé que ce qui est sur le compte de la personne, ce chèque sera refusé. C'est pour ça que je t'ai demandé qui t'a donné ce chèque. Quel est le degré de richesse de cette personne? Combien vais-je écrire maintenant? Tu sais quoi? Écris d'abord. Écris d'abord. Écris d'abord. 200 millions. Hey! 200 millions? Quoi? Non, mais arrête de blaguer. Oh, ok.
écrit... écrit 100 millions. 100 millions. 100 millions? Oui, oui. Mais c'est beaucoup trop. Comment peux-tu écrire 100 millions? C'est beaucoup trop. Tu es sûr que cette personne a cette somme dans son compte? Écris juste 100 millions, c'est bon. Tu sais ce qui va se passer? Je vais le faire à la banque, ok? Je mettrai l'argent dans ton compte une fois que c'est confirmé. Tu vois ce que je te disais sur l'ouverture d'un compte? Je dois y aller. Je dois vérifier ça. Alors, je t'appelle après, non? Ok, ok. Oh Dieu. Je sais que c'est toi qui m'as envoyé ce chèque. Père éternel, si tu fais ça pour moi, je t'adorerai éternellement. J'exalterai ton nom pour toujours. Père, change mon histoire. Je sais que tu m'as envoyé ce chèque pour changer mon histoire. Je sais que tu m'as envoyé ce chèque pour réécrire mon histoire. Père, fais-le pour moi. Allô? Obina, dis-moi où tu as obtenu ce chèque. Ça a marché. Oui ou non? J'ai déposé le chèque. Et tout le monde à la banque me regarde bizarrement. Je pense qu'ils veulent appeler le propriétaire du compte. Et qui s'appelle le propriétaire du compte? Bye. Ah, ai-je falsifié la signature de quelqu'un? Ou ai-je pris le chèque de quelqu'un? Bien sûr que non, j'ai laissé ma Bible et j'ai vu un chèque dans ma Bible. Ah. L'argent est arrivé. Hey, ils ont payé. Hey, ils ont payé. Ils ont payé. Jésus. Hey. Obina, c'est pas vrai. Ça a marché. Oui. 100 millions de Naira. Oui, je les ai envoyés dans ton compte. Oui. J'ai trop hâte de fêter ça. Ok, on se voit plus tard. Oui. Hey, Obina. Obina. Tout ça est comme un rêve pour moi. Hey, Dieu est trop puissant. Hey, Obina. Obina, moi. Donc, je suis désormais un homme riche. Hey, c'est comme un rêve. Tout ça est comme un rêve écoute, pour moi. Écoute, Obina, écoute. Maintenant que tu as cet argent, hey, tu dois faire bon usage de cet argent. Oh. Tu m'étonnes. Oh. Tu dois investir. Choisis un truc. Quel business veux-tu faire? Je vais faire des affaires. Je suis un nabab. Si je me repose maintenant, je vais penser au meilleur truc. Si c'est l'importation, les conteneurs, c'est... Donc, même si c'est la Chine, je serai partout. Donne-moi juste quelques mois, tu verras toi-même. Tu as réussi. Jéhovah. Félicitations. Je suis maintenant un multimillionnaire. Il faut baisser la voix. Non, ne me dis pas de ne pas crier ma joie. Hé, hey, Hélène. Oui. Tu me donnes de l'eau ou quoi? Ne te fâche pas, j'arrive. Merci. J'espère que le repas est délicieux. Mm-hmm. Pourquoi serait le contraire? Qu'en est-il de ton ami? Ou alors c'est ton frère? Qu'est-ce qu'il a fait? Je croyais que tu avais envoyé tes gars le frapper. Pourquoi tu demandes après lui?
Mon frère, calme-toi, ce n'est pas la guerre. Je ne le vois plus. Il ne vient plus manger ici, c'est pour cela que je demande. Pourquoi devrait-il venir ici manger après tout ce que tu lui as fait? Izioku, Hélène, tu voudrais encore qu'il vienne manger ici? S'il te plaît, laisse-moi déguster mon plat, Biko. Ce n'était qu'une question, pas la guerre. Vas-y, mange. Maintenant que j'y pense, c'est vrai. Obina n'est pas venu dans cette gare aujourd'hui. Il ne s'est pas rendu au travail ce jour. Qu'est-ce qu'il ferait à la maison? Ce gars ne manquerait le travail pour rien au monde. Je suis sûr qu'il élabore un plan depuis la maison. Le connaissant, il ne peut pas rester à la maison à ne rien faire. Il y a quelque chose qui se trame. Que se passe-t-il là? C'est quoi ce changement? Tu sais, c'était... Mitsuna? Ton ami? Est-il au courant pour l'argent? Est-il au courant pour l'argent? L'argent? Non. Appelle-le pour venir s'amuser ici. Non, je vais l'appeler plus tard. Pourquoi? Tu ne peux pas comprendre. Je vais l'appeler plus tard. Ok. Tu ne bois rien? Hein? Tu ne bois pas? Non, je... Bois, ça va. Ok, oh. Le Richard, je suis contente pour toi. Moi aussi, je suis contente pour moi-même. Mais pourquoi ne prend-il pas mon appel? Quelque chose se trame. Et je vais trouver de quoi il s'agit. Ah. Obina. Ah. Il ne prend toujours pas. Ok. Ne t'en fais pas, je vais bien. Je t'expliquerai tout quand je reviendrai demain matin. Que se passe-t-il ici? Mais qu'est-il en train de se tramer, bon sang? Mon frère, voilà ce qui est arrivé. J'avoue que j'ai du mal à saisir. Tu veux dire que tu as un ami qui vit à Lagos et qui serait prêt à t'aider dans son domaine d'activité? Oui. Il a dit que je dois venir à Lagos pour qu'il m'introduise dans un business d'import-export. Et il m'amènera aussi en Chine. Sérieusement? Je piche toujours rien. Dans ce cas, qui va te donner de l'argent pour que tu lances le business importation? La même personne, non? Ah! Ah! La même personne. Es-tu en train de m'expliquer que ce genre de bon samaritain existe encore dans ce monde? Mon frère, c'est ça. Un jour, Dieu te bénira à travers quelqu'un,
une personne qui changera ta destinée aussi. Yeah. Si je comprends bien, tu es en train de m'expliquer que tu ne vas plus vivre dans cette chambre du tout. Je ne vivrai plus dans cette ville. Je vais déménager pour Lagos. Quand? Immédiatement après cette discussion. Yeah. Oh. Eh? Alors, Obina, tu fais tes bagages pour Lagos? Mon frère, ça me choque aussi. J'irai à Lagos et ensuite en Chine. Ah, waouh. En Chine. Ah, waouh. Je ne comprends pas. Tu veux dire que tu fais toujours ça? Monsieur... Mais que voulez-vous que je fasse d'autre? Il n'y a personne pour me venir en aide. Je ne peux quand même pas me suicider pour autant. Je ne vais pas non plus... aller voler. Je ne comprends pas. Et où as-tu mis la Bible que je t'ai donnée? C'est à la maison. À la maison? Oui, monsieur. Tu veux dire que tout ce temps, tu n'as pas ouvert la Bible? Oh gars, je l'ai fait. Quand vas-tu cesser de me mentir? Comment peux-tu me dire que tu as ouvert la Bible mais tu souffres toujours? Oh gars, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette Bible? Tu aurais dû l'ouvrir pour le découvrir. Hein? Hein? Mais dis-moi, qui l'a ouvert? Parce que je l'ai ressenti. Hein? Mais oui, tu dis l'avoir mise où exactement? À la maison. À la maison? Ouais. Et tu vis avec qui? Je... Ce jour-là, je t'ai donné cette Bible pour changer toute ta vie. Hein? J'ai choisi par moi-même de te bénir ce jour-là. Mais tu n'as pas pu suivre de simples instructions. Ce genre d'opportunité n'arrive pas tout le temps. Vu que tu as décidé de continuer à souffrir toute ta vie, continue de souffrir. Je croyais que tu es assez responsable. Oga! Hey! Ma Bible! Obina! Ma Bible! Obina! Ah! J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Obina, je ne t'ai pas appelé pour toutes ces plaisanteries. Je t'ai appelé pour quelque chose de très important. Obina, où est la Bible que j'ai déposée sur la table? Oui, la Bible. Où est-elle? Obina! Obina, ne me raconte pas d'ânerie, d'accord? Tu ne peux pas me dire que la Bible que j'ai posée sur la table s'est fait pousser des ailes et s'est envolée comme ça. Obina, où est la Bible? Obina, ne raccroche pas cet appel. Oh, Obina, ne nous coupe pas. Eh mon Dieu, il m'a raccroché au nez. Je rêve ou ce gars m'a raccroché au nez? Mon Dieu. Et maintenant, que vais-je faire? Non. Non. Je ne peux pas juste rester là à ne rien faire.
Obina. Obina, décroche le téléphone. Obina, tu ne veux pas prendre ton téléphone. Obina ne veut pas prendre cet appel. Ok. Obina, tu vas prendre ton téléphone. Ok. Tu ne veux pas prendre mon appel. Obina. Si tu veux, abstiens-toi de prendre mes appels. Tu peux essayer de partir d'ici pour ailleurs. Mais tu dois me rapporter ma Sainte Bible de gré ou de force. Obina, tu joues avec le feu. Obina, c'est ok. Oh. Il appelle encore. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois appeler merci. Allô? S'il te plaît, on peut se voir? Bye. Tu sais, je ne t'ai pas vraiment dit comment j'ai obtenu le mystérieux chèque. Je t'ai dit que je ne te le demanderai plus, puisque tu as voulu garder ça pour toi. Avant que je ne te rencontre, Izuna a été d'une immense aide pour moi. Il a été plus qu'un frère pour moi. Qui est Izuna? Izuna est le gars avec lequel tu me voyais toujours chaque fois que tu venais pour ton marketing. Oh, ton frère. La vérité, c'est qu'il n'a jamais été mon frère. Nous sommes allés à la mine Mekon ensemble. Tu fais qu'on se ressemble beaucoup. Et les gens croient que nous sommes des frères. Et qu'on nous appelle des frères, on accepte juste. Mais il n'est pas réellement mon frère. Ah, ok. Alors, il a été très bon envers moi. Il a tellement fait pour moi. Ok. Même quand je suis arrivé en ville, il m'a hébergé sans que je paie un rond chez lui. Il m'a introduit dans son activité qui était le poussage de brouettes. Et aussi, tellement, même quand j'ai eu des problèmes avec des voyous du marché,
Il était celui qui avait payé 20 000 naira pour me libérer. Donc, il avait beaucoup pour moi. C'est une très bonne personne. Il l'est. Ouais, il l'est. Mais tu peux croire que, après tout ce qu'il a fait pour moi, je l'ai récompensé par le mal. Comment ça? Que s'est-il exactement passé? Obina. Obina. J'ai fait pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies avec autant de méchanceté. Obina, je réagirai en conséquence. C'est à cause de gens dans ton genre que les bonnes personnes finissent par devenir mauvaises. Je verrai un tradi praticien. Rien pour toi. Obina. Obina, tu vas me rendre ma Bible. Et ce fameux jour, Izune est rentré à la maison avec une Bible. Avant ce jour, ma mère m'avait longtemps parlé de l'importance de lire la Bible, se rapprocher de Dieu, car Dieu est le seul qui peut changer ton histoire et te protéger, tu sais. Elle me prêchait toujours ça. Alors, quand je suis arrivé à la maison, ma mère m'avait appelé genre, hier, je suis arrivé à la maison, j'ai vu cette Bible. Donc, je suis donc rentré et j'ai vu la Bible. Dans notre chambre, on avait une petite penderie où on gardait nos affaires. Alors, j'ai vu la Bible posée juste en haut de la penderie. Alors, je lui ai demandé, « Ah, Izuna, tu as acheté une Bible ?» Et il a dit non, que non, l'a vu et lui a juste donné la Bible. Que la Bible est... Je crois que je lui ai dit que la Bible n'est pas vraiment notre problème, que notre problème actuel, c'est l'argent. Comment il peut te donner la Bible, tu vois, innocemment? Car on ne connaissait pas le contenu qui était dans la Bible. Donc, il a laissé la Bible là-bas. Moi aussi, je m'en foutais carrément de la Bible. Tu sais, donc... Mais un jour... Ce jour, je me suis réveillé, j'en avais marre de... d'aller pousser la brouette. Tout ça, j'en avais marre de la vie. J'en avais qu'une seule envie, ce jour, c'était de changer de business. Il a même voulu me convaincre d'aller au boulot. Je lui ai répondu non, qu'aujourd'hui, je voulais juste dormir. Je veux changer, chercher autre chose à faire, c'est tout ce que je voulais. Il était donc parti, j'étais à la maison à réfléchir sur la vie en général. Je me suis donc levé pour sortir, pour aller quelque part, je crois. Mon esprit me dit, ouvre cette Bible. Et je crois que je voulais prier ou quelque chose du genre, mais innocemment, j'ai pris la Bible. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à feuilleter les pages. Au hasard. Et pendant que je feuilletais, soudainement, j'ai vu un chèque. Dans la Bible. Je ne savais pas ce que c'était. Je t'ai donc appelé. Et je m'étais rappelé et tu me disais quelque chose à propos. Tu te souviens quand je ne voulais pas me parler d'une ouverture de compte? Oui, oui. Alors, ça m'est venu à l'esprit de t'appeler pour que tu m'expliques ce chèque. Est-ce censé être un miracle ou bien? C'est étrange. C'est ça le problème. Ce n'est pas comme si j'ai intentionnellement
voulu l'écarter de l'argent que pouvait me procurer ce chèque. C'est juste que, tu sais, à ce moment-là, je ne savais pas à quoi penser. J'ai juste eu l'argent et j'ai décidé de partir. Peut-être quand je serai installé, je saurai comment l'appeler pour l'informer. Parce que peut-être que si je lui avais parlé du chèque, il se serait fâché. Il aurait discuté avec moi et essayé de faire des problèmes parce que le chèque venait de lui. Donc mon esprit m'a juste dit, prends cet argent et pars. Donc je lui avais menti qu'un ami voulait m'introduire dans son domaine d'activité, que j'allais à Lagos. Donc, depuis lors, ma conscience me tourmente. Car ce mec a été très, très bon envers moi. Il ne mérite pas un tel traitement de ma part. Pas du tout. C'est étrange. Oui, tu sais, ce n'est pas que je ne veux pas l'informer. Je n'ai pas intentionnellement voulu l'écarter. Mais tu sais, quand je l'ai reçu, j'étais sceptique. Je ne savais pas si je devais l'informer à propos du chèque. Il allait commencer à le discuter avec moi. Mon esprit m'a juste dit, prends cet argent et pars. Et tu réfléchiras à quoi faire après. C'est compliqué et vraiment étrange. C'est étrange jusqu'à il y a 10 jours. Je crois qu'il a vu l'homme qui lui avait donné la Bible. Et cet homme a dû lui dire le contenu qui était de ce qui était dans la Bible. Donc, depuis lors, il ne cesse de m'appeler, m'envoyer des messages. Je suis que c'est lui qui m'appelle maintenant. Ah, je l'ai bien dit. Il ne cesse de m'appeler. Je ne sais pas. Puis-je te poser une question? Vas-y. Si tu n'avais pas trouvé le chèque et que tu gagnais de l'argent autrement et devenu riche, vraiment riche, aurais-tu aidé ton ami après tout ce qu'il a fait pour toi? Bien sûr. Alors, tu te dois de l'appeler. Dis-lui la vérité. Aide-le. Il le mérite. Ok? Ton frère là, hein? Je ne le vois plus dans le quartier. On dirait qu'il n'est plus ici. Ne te fâche pas, s'il te plaît. C'est quoi? C'est quoi ton problème? Chaque fois que je viens manger ici, tu n'as de cesse de me déranger. Voudrais-tu que j'arrête de manger ici? Tu veux que j'arrête de manger ici, c'est ça? Tu cries. Ta facture fait 400, paye ton argent. Allô? Allô, Isuna. Je suis dans la ville, où es-tu? Tu es dans la ville? Je suis chez Adja à ce moment même. Très bien, je t'attends, je ne bouge pas. Hein? Obina! Qu'est-ce que c'est, Obina? Hey, le boss! Dégage de là! C'est bon, c'est bon. Mais c'est même pas de lui, c'est le gars qu'on avait frappé. Bien sûr, c'est le mec, celui qu'on avait frappé là. Le grand boss. Otoko. Le grand boss. Calme-vous, Végar. Calme-vous. Mettez-vous à genoux d'abord. Allez! Mets-toi à genoux, mon grand. Je te demande pardon. Pour qu'est-ce que vous me prenez? Écoute, mon grand. S'il te plaît, je te demande pardon. Pardonne-moi. Prends ça. Prends ça. Tiens.
J'ai ça. Langue fille à toi. Dégagez maintenant. Oh, le trimbo. Dégagez. Continue de te bénir. Hey. Ça fait un bail. Je demandais de tes nouvelles à ton ami Zuna. Où étais-tu? Est-ce que je te connais? Bonjour. Sois le bienvenu, tu es très mignon. Merci. Obina, tu es le bienvenu. Merci. Comment tu vas? Quand est-ce que tu es arrivé? Partons d'ici. Ok? Ok, laisse-moi régler la facture. Adja, oui, viens prendre ton argent. Hélène, prends cet argent pour moi. Prenez. On y va. Obina. Waouh. Alors, qu'est-ce que tu disais au téléphone? Obina, donc tu attends ce niveau de richesse et tu n'as pas daigné te rappeler de moi depuis tout ce temps. Je parie que si je ne t'avais pas appelé, tu ne te serais pas souvenu de moi. Oui. Pas vraiment. Obina, où est la Bible que j'avais laissée sur la table? Elle a disparu aussitôt que tu as quitté la chambre. Et tu ne peux pas nier le fait que tu l'aies prise, n'est-ce pas? C'est cette Bible? Oui! Oui! Oui, c'est la Bible en question. Ça, c'est la Bible, oui. Ah! Qu'est-ce que tu cherches? Je crois que je sais ce que tu cherches. Quoi? En tant que bourreau, ouais. Hein, je vais garder ceci. Vous allez vous partager ça. Mais boss, c'est non. Ce n'est pas juste, ce n'est mais pas non. Du tout juste. Ce n'est pas juste. C'est à nous tous qu'il a donné de l'argent, n'est-ce pas? On est censé se partager ça. C'est moi que vous écoutez ou lui? C'est comme si vous êtes malade dans vos têtes, hein? C'est comme si vous êtes cinglé. C'est comme s'il y a de l'air dans vos têtes, hein? Boss, ce n'est pas une raison pour se fâcher. Nous ne sommes pas en train de nous quereller. Pourquoi il veut compliquer les choses? Essayons de le raisonner. Écoute, ce que tu viens de dire là m'énerve énormément. Écoutez, vous deux, si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Moi j'ai honte. Écoutez, voilà un petit garçon qu'on a ramené du village il n'y a pas si longtemps. C'est lui qui vient de donner ses miettes. Même maintenant, on se dispute. Quel boss qui ne l'est pas, qui aura et qui n'aura pas. C'est le même gars dont on parle. On l'avait frappé parce qu'il avait giflé la fille d'Adia. On lui avait pris de l'argent et on l'a relâché. La même personne qu'on avait frappé est devenue riche et est revenue. Le mec africain est revenu, nous sommes tous dans le même quartier en train de se quereller. En plus, si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Si vous n'avez pas honte, alors j'ai honte à votre place. D'où sors-tu avec tout ce que tu racontes là, hein? Ça a quel rapport avec l'argent? Tu es malade? Ce n'est pas l'escroquerie qu'il fait un peu de partout là? Mec, oublie ça. Tu sais ce qui dérange un Nigérian? Et ce problème continuera. Vous savez, dès qu'une personne devient riche, vous supposez que cette personne a fait soit des richesses d'argent ou que cette personne a fait de l'escroquerie. Ok, bien. Si c'est de l'escroquerie que le gars a fait, alors va-t'en aussi faire de l'escroquerie. Tu as deux têtes. N'est-ce pas une tête qui est là? Tu as également une tête. Eh bien, deviens-toi aussi riche en faisant de l'escroquerie. Et va pas t'acheter sans toi de venir discuter sur la suite de quelqu'un d'autre. Vous le traitez d'un hacker. Attends. C'est honte pour vous. Attends un peu. Attends. Bah. Attends un peu. Il y a un truc que je ne comprends pas bien. Quand j'ai appris que ce gars faisait ce genre de choses, ça m'a vraiment choqué. Ah ouais, ça t'a choqué? Ça m'a vraiment choqué. C'est bien que ça t'a choqué. Je n'ai rien compris. Je vous assure que je n'ai rien compris. Réfléchis bien, vraiment. Mon frère. Réfléchis. Tu viens jouer les boss. Et tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas devenir riche. Écoutez-moi très bien. C'est l'argent qui va aller. Vas-y. Ne me parlez plus comme ça. Je suis votre patron. Hein, qu'est-ce qui vous arrive? Ne me parlez plus comme ça. En tout cas, pour moi, à ce niveau, je suis assuré. Je suis votre patron. Arrête à jouer bien. Rapidement. C'est quoi ce genre d'humiliation? C'est quoi ce genre d'humiliation? Je l'aimais bien, oh. Je l'aimais bien. Je faisais juste la dure espérant qu'il insiste. Ah! Hélène!
Hélène. Hélène. Hélène, qu'est-ce que tu as? Rien, maman. Je l'espère bien. Va chez Benson chercher l'argent. Hein? Va chercher l'argent chez Benson. Elle répond, hein? Dépêche-toi, nous avons plein de choses à faire. Hein? Je l'aurais traité d'ingrat. J'aurais regretté de ne l'avoir jamais connu. Comment as-tu pu être aussi ingrat? Comment as-tu pu oublier si vite? Il ne nous a pas oubliés du tout. Il était juste confus à propos de l'histoire de la Bible. Écoute, il attendait le moment idéal pour tout me raconter. Et maintenant, c'est le moment parfait. Oui. Ok. Alors, c'est quoi le plan? J'irai à Lagos avec lui demain matin. Il m'a demandé de prendre certaines choses importantes et de le retrouver à l'hôtel Precious. C'est de cet endroit que nous partirons pour Lagos. Waouh, ça c'est super, mais si tu vas à Lagos, ce sera quoi la suite? Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Bien, je n'en suis pas sûr. Mais je pense que la meilleure probabilité serait qu'il m'introduise dans son domaine d'affaires. Peut-être qu'il me donnera de l'argent. Maintenant, je n'en sais rien. Laisse-moi d'abord arriver à Lagos. Quelque chose me dit que ça sera bénéfique. Waouh, enfin, je suis très heureuse pour toi. Ezioku, bébé, à ce moment même, je suis l'homme le plus heureux de cette planète. Oui. Tu vas me manquer. Voyons, mais je ne manquerai pas de t'appeler. Penses-tu qu'on pourra se rendre à Lagos ensemble tous les deux? Waouh! Oui. Tu veux dire, je viendrai à Lagos? Ah! Waouh! Bien sûr que oui. Je suis contente. Je t'aime tellement, bébé. Je t'aime aussi, bébé. Merci. Obina, tu veux dire qu'il y a des gens qui osent louer ce genre de maison à Lagos? Ce n'est pas un appartement à louer, c'est ma propre maison. Hein? Obina! Ça, c'est ta maison! Oui. Chineke. Ok, ok, dis-moi un truc. Est-ce que ta banquière crèche avec toi ici, dans cette maison? Oui. Hein? Obina, Obina, vous nous faites comprendre qu'elle fait son marketing depuis la banque alors qu'en réalité, c'est d'ici qu'elle fait son marketing, n'est-ce pas? Ben, elle fait toujours du marketing. Hein? Obina, Obina! Bon, oublie ça, Obina. Cette maison est magnifique, je te jure! Hein? Merci. Obina, hein? Cette maison est juste somptueuse. Dieu a béni. Hein? Tu veux dire... Obina, tu vis ici tout seul, hein? Obina, cette grande maison? Bon, voilà le plan. Ok. Cette maison est à nous. Hmm? Et notre entreprise, bien sûr, va investir pour nous deux aussi. Ah. Mm-hmm. Donc, pour tes déplacements, j'y ai pensé, je t'ai aidé à nicher ceci. Ce SUV que tu vas utiliser. Obina, une voiture pour moi? Ah oui. Ah. Pendant qu'on va commencer à construire notre maison sur le terrain vierge au bout de la rue. C'est également une de tes propriétés? Notre propriété. Obina. Notre propriété. Oui. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, non, le Seigneur te le rendra. Ça. Justement, toi, justement, tu en fais trop pour moi, je te jure. C'est beaucoup trop. Attends, assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi d'abord. Hein? Arrête de faire ça, arrête. Alors, pour la société, on va partager les profits en trois parts. Ok. Une pour moi, une pour toi, et bien sûr une pour la société. Car on doit beaucoup épargner pour pouvoir investir dans, tu sais, des domaines plus stratégiques.
Ok. Ok. T'as pas besoin de me remercier. Oh, merci énormément. Mais c'est vrai que quand Dieu veut te bénir, il te bénit de telle façon que tu penses que c'est un rêve. Les bénédictions de Dieu viennent des façons mystérieuses. Merci, mystérieuse. Merci. Ah, hein, tu dois remercier Dieu. Merci. Sinon moi. Hein? Merci. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Non, ça c'est beaucoup trop ça pour va, une seule ça personne. Va. Hein? Allô? Ah, bébé, c'est fou ici, je te dis. Ton homme est devenu riche, t'assure. Ma vie a changé en une nuit. Waouh, tu me manquais déjà. Hé, bébé, rassure-toi, tu me rejoindras ici très bientôt. Bébé, arrête ça. Sois sérieux, non, s'il te plaît. Ah. Je... Non, 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 bébé, je ne blague pas. Regarde. Nous nous rendons là-bas ce week-end. Pour faire, tu sais, une ou deux choses. Tu rentreras à Lagos avec nous, donc prépare-toi. J'ai trop hâte de te voir. Waouh. J'ai trop hâte. Moi aussi j'ai hâte, bébé. Tu me manques tellement. Tu me manques davantage, bébé. J'ai vraiment hâte que tu sois là ce week-end. Ah, tu me manques également, bébé. Bébé, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Nous le verrons très bientôt, ok? Fais attention à toi, d'accord? Je t'aime. Tu me manques plus. Ok, bye. C'est toujours comme un rêve pour moi. Genre, toute cette histoire est encore irréelle. Dieu nous a enfin bénis. Hey! Dieu a enfin changé notre histoire. Hey! Ton fils est désormais un homme riche. La voiture avec laquelle tu es venu, à qui ça appartient? Maman, tu ne comprends toujours pas quand je dis « Dieu nous a bénis ». De quelle voiture tu parles? La voiture n'est rien. J'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai des châteaux, j'ai des entrepôts à Lagos. Hein? La voiture, c'est quoi? Hein? Ah. Tu as des voitures? Comme un président de la République, des voitures. Maman, Dieu nous a bénis. Hey! Je t'assure, je suis riche. Oh, mais oui, ah! Oh, mais quoi, yao! Oh, mais boubadaï! Regina! Dina! Papa! Dina! Papa! 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 Hey! Quel est ce bruit que j'entends là dehors? Papa, on aura tout vu dans ce monde. Hey! Qu'est-il arrivé d'aussi étonnant? Qu'est-il arrivé? Papa, Obina est rentrée avec une voiture. Oui. Et Obina est devenue très, très, très riche. Papa, et ce n'est pas tout. Hein? Est-ce que tu sais qu'Obina a dit à sa mère qu'il a un manoir à Lagos? Hein? Papa? Papa, est-ce que tu connais le plus gros? Le vrai scoop même? Si tu vois l'argent qu'Obina verse sur sa mère actuellement, papa, tu vas tomber en syncope. Attends, est-ce que ça fait déjà un an que ce garçon a quitté ce village? Comment ça? Ça ne fait même pas un an. Papa, Obina a trempé quelque part. Tu as raison. Hein? Oui, tu papa, as raison. Hey. Papa, si tu vois l'argent, hey, cet argent n'est pas simple. Effectivement, j'ai toujours su que ce garçon est méchant. Tu es sûr, Kobina n'a pas utilisé mes jambes pour des rituels d'argent. Il les a sûrement utilisés pour des rituels d'argent. Tu sais que c'est arrivé immédiatement qu'il est parti, jusqu'à présent. Et maintenant, il est rentré avec plein d'argent. Il a sûrement utilisé mes jambes pour des rituels d'argent. Ce garçon ne connaîtra pas le bonheur. Il ne connaîtra pas le bonheur dans sa vie. J'ai toujours su qu'il est méchant. Un mauvais garçon. Je l'ai toujours su. Maintenant, regarde ce qu'il me fait. Obina est sorcier, ce garçon. Un garçon très diabolique. Obina. Regarde ce qu'il m'a fait. Ok.
Obina, cet argent, j'espère qu'il est pur. J'espère que ce n'est pas l'argent de l'arnaque ou l'argent des rituels. Parce que si c'est l'argent des rituels, je ne toucherai pas. Je ne toucherai pas au... Maman, as-tu oublié comment on priait jour et nuit pour que Dieu change notre histoire? Je sais. Alors pourquoi parles-tu de l'argent du rituel? Hein? Mon argent est pur. Dieu m'a béni. Dieu a vu le fait qu'on souffrait et a décidé de changer mon histoire. Donc, tu veux dire qu'il est pur? Maman, vas-tu arrêter ça? Il est pur. Bien sûr qu'il est pur. Hey! Onyenkan Bonzi! Hey! Enfin! La richesse a décidé de venir dans ma famille. Hey! Tineke! Waliya! 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 Hey! Hey! Mon fils! Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Hey! Okwana, mon fils préféré du monde entier. Mon adorable fiston. Cette jolie fille que je vois près de toi. Qui est-elle? Maman. Hein? C'est la femme que je vais épouser. Hey! Akokwana, moi, Maka. Hey, Jai, je vais utiliser cette pierre pour faire deux coups. Hey, mon fils, tu sais voir les bonnes choses. Ouanya, tu as l'œil pour voir les bonnes choses. Ma fille, viens. Viens, viens, viens. Hey, moi, Maka, moi, Mosoma, sois la bienvenue dans cette famille. Je te souhaite la bienvenue dans ma famille. Excusez-moi, oh. Maman. Puis-je lui parler en privé? Juste une minute. Je reviens, maman. D'accord. Hey, Izona. Ah, ah. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ça, c'est bien. C'est la volonté de Dieu. C'était quoi ça? Désolé. Je suis désolé de ne t'avoir pas informé avant de faire ce que j'ai fait. C'est le premier jour que je t'ai rencontré, merci. Tu as été si stimulante. Tu as été une bonne personne pour moi. Tu as été si encourageante. La vérité, c'est que j'ai fini par t'aimer. Il n'y a pas d'autre moyen pour moi de vivre une vie heureuse sans toi. De grâce. Je veux que tu fasses ce voyage avec moi. Je crois qu'avec toi dans ma vie, ça en vaudra la peine. On fera plein d'exploits ensemble. Tu es une bonne personne. Oui, tu l'es. Je ne sais pas quoi dire. Tu m'as vraiment embarrassée là-bas. Je sais. Je n'ai pas vu ça venir. Tu es une bonne personne. Et juste en te voyant, je savais que tu serais un homme important. Et je t'aime du plus profond de mon cœur. Je t'aime encore plus. En
on peut y aller maintenant. Et je ne crois pas que ceci remplace une demande formelle. D'accord? Oui, madame. Oui, boss. J'ai le trac. Akrika, il est temps de finir ce qu'on a commencé. Oui. Au lieu que tu cherches comment sortir de ce problème qui te menace, toi tu veux continuer avec ce qui t'a mis dans cet état. Akrika, j'ai accepté mon sort. Je sais que je ne vais pas. En fait, il m'est impossible de sortir de cette étrange maladie. Oui. Mais à quoi cela me sert-il, ce garçon est en vie. Et possède tout. Pourquoi je le combattais? C'est pour cette même raison pour laquelle j'ai tué son père. C'est inutile. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure avant que je ne meure. Ainsi, je pourrais mourir heureux. Tue-le. Si c'est ce que tu veux, moi, Akarika, Mwana Poapu, Ogwanagara, je le ferai pour toi. Tout ce que je veux, après avoir fait ça, c'est mon argent. Ensuite, je m'en irai. Manazi mugwezi mudogala da managwele ya mbaka na yandoza mandoza mandanano kweta kunenu ayombra kata ngonanu che bwa gbosi kuzo kana kana kaveneno wo 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 woni gogo na je onkwanuna obase kana. Mes enfants, prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te remercions. Seigneur, nous exaltons ton nom pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour nous. Seigneur, nous te remercions pour la vie, pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour nous au nom de Jésus. Seigneur, que ton seul nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je remets mes enfants entre tes mains puissantes. Je me lève contre tout œil maléfique qui veut leur faire du mal au nom de Jésus. Amen. Seigneur, toutes les flèches de l'ennemi, je les renvoie à l'envoyeur. Toute manipulation de l'ennemi ne réussira au nom de Jésus. Amen. Ils ne réussiront pas au nom de Jésus. Amen. Je les couvre dans le sang de Jésus. Je les couvre dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je les couvre dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ma funa funa nana yenomo. Wana yenomo. Wana yenomo. No muna nenomu. Oana ye no mo. Oaya ne no mo. Obina. 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 Je ne sais pas ce que tu as fait à ton oncle, mais il veut ta mort. Moi, Akarika Mwana Poapu, mes mains sont propres. Amona Kazwabia. Ce qui veut dire que ton oncle veut ta mort. Maintenant, reçois ceci, Obina. Et Kwanya Woro. Adem quoi, dès que je suis allé, Amadem quoi, voilà. Moi, t'as des bonnes yeux, voilà, les boyaux. Non, non, non. Ce n'est pas de ma faute, s'il te plaît. Va chercher Obina. Cherche Obina. Non, ce n'est pas de ma faute. Ah, 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 ah.
Papa? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu as trop mal? J'ai entendu crier. Papa? Papa?